Bien, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de votre belle discipline. Je vais commencer à l'heure. Je vais donner tout de suite la parole à madame Dominique Forget qui va faire l'appel de cette séance. Dominique, vous avez la parole. Bonjour. Richard Delpierre. Présent. Violaine Charpentier. Présent. Benoît Ribert. Présent. Lucie Lancle-Dudas. Présent. Louis-Marie Soleil. Véronique Siadou, présent. Christophe Condorf, présent. Martine Bellier, présent. Jean-Louis Jarige, présent. Aline Thémenides, présent. Philippe Collins, présent. Gilles Bertin, présent. Claude Joriot, présent. Marie-Thérèse Kelly, pouvoir Aline Thémenides, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, Jeannine Bataille avec son pouvoir Madame Parmentier, Simon Bonne, Patrick Berthaume, pardon, Jean-Michel Wenger, Tanguy Odic de Kernen, Géraldine Arenès-Schneider, Marie-Laure Majou, Frédéric Darentière, Valérie Genquin, Anne Testu, Agathe Méry, Joséphine Parmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Marc Sévelli, Marie-Cécile Godot, Jean-François Pemery, Maurice Toledano, Philippe Briot, Nicole Alquier, Karine Lemenné, Laetitia Guignard-Viaud, avec un pouvoir à Monsieur Tabary, Fabrice Tabary, Stéphane Gors, Dorothée Bilger, Caroline Nockringer. Bien, je pense que le quorum est atteint. Avant d'ouvrir cette séance, je vais vous inviter à vous lever afin que nous puissions observer ensemble une minute de silence en mémoire de Monsieur Modeste Guazetti, ancien conseiller municipal de la ville qui a été inhumé cette semaine. Je vous remercie. Nous allons ouvrir cette séance avec, de manière traditionnelle, l'approbation de procès-verbaux. Il y en a deux. Le premier concerne la séance du conseil municipal du 16 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce procès-verbal ? Si pas de souhaits d'intervention, je mets au vote, qui est contre son approbation, abstention, approuvé à l'unanimité. Merci. Il y a également l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 janvier 2021. Si pas de souhait d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Donc ces deux procès-verbaux sont approuvés à l'unanimité. Et je vous en remercie. Nous allons passer donc au premier point de l'ordre du jour qui concerne le rapport annuel de la collectivité sur la situation de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui va être fait comme le veut la tradition à deux voix et à parité. C'est M. Ribert qui entame et Mme Charpentier qui poursuivra. M. Ribert, vous avez la parole. Monsieur le maire, merci. Bonsoir à tous. Comme chaque année depuis maintenant 5 ans, je vais avec Mme Charpentier vous présenter le rapport annuel de la collectivité sur la situation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce rapport est constitué de deux parties. La première traite de notre collectivité en tant qu'employeur et la deuxième identifie les actions communales qui contribuent à renforcer cette égalité ou intègrent cet axe d'évolution. Concernant notre collectivité, l'encadrement administratif est majoritairement masculin, lié en partie au poids des services techniques et à l'histoire. Nous avons par exemple aujourd'hui 15 chefs de service masculins pour 3 femmes.
Nous avons, à la fin de l'année 2020, mis en place un comité de direction composé d'élus et d'administratifs, 11 personnes, 6 hommes, 5 femmes. Les instances paritaires sont évidemment à parité aussi entre les hommes et les femmes. Il est à noter évidemment que la fonction publique globalement réduit les inégalités entre les hommes et les femmes. Se succèdent un certain nombre de tableaux, donc je vous ferai grâce de la lecture individuelle. Certains rappellent des choses que l'on sait déjà, comme un temps partiel qui est très majoritairement féminin, à la demande des femmes par habitude, par confort. Et c'est vrai que la fonction publique permet justement, avec des horaires fixes, une conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle souvent plus aisée. Je vais donc me concentrer principalement sur les éléments du diagnostic de ces différents éléments, ainsi que des orientations et le plan d'action pluriannuel. Concernant le diagnostic, il est à noter que le travail dans une administration locale facilite l'organisation des mères de famille par des horaires fixes et pour certains d'entre elles, une proximité domicile-travail. La spécificité du service de la petite enfance de la mairie Rocancourt, avec 9 crèches, ouvre un nombre important de places d'accueil pour les familles de la commune et féminise de façon importante l'effectif de la commune, puisque 2/3 aujourd'hui d'effectifs est féminin. Là, on a le détail, effectivement, 148 femmes et uniquement 2 hommes dans les agents. Concernant le plan d'action pluriannuel de décembre 2020, alors, avant d'évoquer ce plan, il est important de noter que l'outil informatique issu du logiciel de paye, qui devrait nous permettre de vous donner des données fiables, doit être amélioré. Il permettra à la ville d'appréhender les éventuels écarts de rémunération entre hommes et femmes sur des périmètres identiques. Donc, il y a des coquilles aujourd'hui de remontée logicielle qui ne nous ont pas permis de faire des tableaux aussi fins qu'on l'aurait souhaité. Concernant le plan, il y a plusieurs axes. Dans un premier temps, évaluer, prévenir et le cas échéant, traiter des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, avec 2 actions. 1. Poursuivre l'application indifférenciée des dispositions évidemment réglementaires relatives au traitement indiciaire, à l'indemnité de résidence, aux éléments complémentaires constitutifs de la rémunération. 2. Instauration d'un régime indemnitaire fondé sur les fonctions des agents dès 2021, par référence à leur appartenance à un groupe de fonctions, limitant de facto la possibilité d'écart entre les hommes et les femmes. B. Garantir l'égal accès des femmes et des hommes au cadre d'emploi, cadre, grade et emploi de la ville, avec 3 axes. La ville s'engage à traiter indifféremment les candidatures reçues pour tous les postes vacants et favoriser la mixité au sein de ses services, notamment dans des postes et services présentant une faible diversité de genre. La ville s'engage également à traiter indifféremment les demandes de mobilité reçues et à favoriser la mixité au sein de ses services, notamment dans des postes et des services présentant une faible diversité de genre. Enfin, la ville s'engage à apprécier les situations individuelles sans prendre en considération les absences liées à ces motifs pour promouvoir ses agents. Troisième axe, il est de favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie familiale, avec une partie sur la favoriser les temps partiels sur autorisation sous réserve de nécessité de service. Poursuivre la bonne information écrite des agents sollicitant un temps partiel de droit ou sur autorisation, avec des conséquences sur l'octroi de temps partiel sur les calculs de pension de retraite, effectivement bien mentionné, parce que c'est un critère qui n'est pas toujours pris en compte sur le côté immédiat, agréable d'un emploi à temps partiel, mais qui a des répercussions sur le long terme. Enfin, pour les postes pouvant être exercés en télétravail et dans le respect des nécessités de service, la ville s'engage à mettre indifféremment les moyens nécessaires et octroyer les autorisations aux agents demandeurs. Et le quatrième axe, le dernier, prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, ainsi que les agissements sexistes. 3 points, des actions de sensibilisation et d'information seront menées auprès des agents afin de rappeler les propos, les comportements inacceptables et pénalement répréhensibles. Ces actions seront menées dans le cadre de plans de formation de la ville. Deuxièmement, la ville accompagnera les agents victimes de tels propos et comportements et pourra déclencher la protection fonctionnelle si les faits allégués sont attestés. Enfin, la ville mènera une enquête administrative sur les faits et sanctionnera les agents auteurs de ces propos et comportements dans le respect de la procédure disciplinaire. Voici pour la partie
employeur de la commune. Madame Charpentier. Merci. Alors, la seconde partie présente tout d'abord les données démographiques de l'INSEE mises à jour cet été avec des chiffres de 2017 à l'échelle globale de la commune nouvelle, légèrement différent du rapport précédent présenté au conseil municipal de septembre dernier. Les femmes représentent 54% des Chesnay-Courtois. L'isolement touche toujours plus les femmes que les hommes. Et les femmes représentent 65% des ménages composés d'une seule personne. C'est essentiellement des retraités, chiffre lui aussi en progression, et c'est page 14 si vous voulez montrer. Voilà, sans surprise, 26% des femmes sont sans activité professionnelle contre 16% des hommes. Et à niveau de qualification égal, les femmes occupent des emplois moins qualifiés que les hommes. 22% des femmes sont à temps partiel, un peu plus que l'année dernière, et seulement 5% des hommes. Le taux de chômage est quasi identique dans la commune pour les femmes et les hommes, autour de 8%. Le salaire net horaire moyen d'une Chesnay-Courtoise est inférieur de 35% à celui d'un Chesnay-Courtois. Mais bonne nouvelle, l'écart se réduit. On était à 36,7% en 2019. Salaire toujours bien supérieur au salaire moyen des Françaises, 49%, et 35% supérieur au salaire moyen en France. En 2020, la période de confinement et de télétravail a été particulièrement contraignante pour les ménages. Néanmoins, les signalements de violences conjugales ou intrafamiliales, connus des services municipaux via le CCAS ou la police municipale, n'ont pas été plus élevés que l'année précédente. Vous pouvez voir page 15. 11 cas, 11 femmes et 2 hommes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu 2 cas de violences réciproques. Alors attention, les plaintes officielles ne sont pas connues car elles sont déposées directement auprès des services de la police nationale. Il y a eu 9 cas de violences intrafamiliales remontées via le CCAS, il y en avait 15 en 2019. Les spécificités des actions 2020 sur la commune. Parmi les politiques publiques locales, celles qui contribuent à renforcer l'égalité femmes-hommes ou qui intègrent cet axe d'évolution. Au premier rang de ces actions spécifiques à l'année 2020, on note le PCS, le plan communal de sauvegarde, au début du confinement, avec un service d'appel téléphonique de convivialité qui a particulièrement profité aux personnes âgées isolées à leur domicile, en majorité des femmes, 195 femmes et 93 hommes. Vous pouvez le voir, page 16. Il y a eu également la mise en place d'un centre d'appel à destination de l'ensemble des Chesnay-Courtois, avec 7000 appels reçus en 2 mois. Le CCAS a pris la suite durant l'été avec le dispositif Yes Plus, en partenariat avec le conseil départemental, qui s'est prolongé jusqu'à la fin de l'année, des appels, mais aussi des visites de convivialité, page 17. Et intéressant, au début du mois de juillet, 74% des bénéficiaires étaient des hommes, des femmes, pardon, mais on note que le nombre d'actions est passé de 100 à 235 en janvier dernier, en janvier 2021, puis 318 en février, avec 43% d'hommes. Il y avait d'ailleurs une petite erreur sur le tableau, page 17. Enfin, un nouveau service d'aide pour les parents et adolescents. En septembre, la ville a initié un nouveau partenariat avec Horizon 78, une association d'écoute et de conseil conjugal et familial, avec 269 rendez-vous, dont 71% de femmes parmi ses bénéficiaires. Et ce service vient de s'ouvrir aux adolescents à l'Escale, les mercredis et vendredis après-midi, sur rendez-vous. Bien sûr, nous attendons les résultats du diagnostic de territoire et vous pouvez d'ailleurs répondre en ligne jusqu'au 3 avril. Voilà, merci Monsieur le maire. Merci à tous les deux. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur la présentation maintenant traditionnelle de ce rapport sur la situation de l'égalité entre les femmes et les hommes ? Pas de souhaits d'intervention. Je vais donc vous demander de confirmer que nous avons bien ensemble reçu présentation du rapport 2021 de la collectivité sur la situation de l'égalité entre les femmes et les hommes. Présentation faite. Merci à tous les deux. Deuxième point de l'ordre du jour, et un des points importants de ce Conseil, dans le processus de préparation du vote du budget, qui est sans doute l'acte majeur que nous avons à prendre une fois par an pour la collectivité, il y a une étape que nous n'avons pas eu le temps de faire l'an dernier compte tenu du contexte sanitaire et du calendrier, qui est le débat d'orientation budgétaire, qui est une obligation, et les articles du Code général des collectivités territoriales vous sont rappelés dans le rapport de présentation, qui font que vous avez à votre disposition un certain nombre de documents vous permettant toutes et tous de commencer à apprécier la situation notamment financière de la commune. Et puis après, il y a une dimension plus politique et, qui fait l'objet donc des échanges que nous allons avoir.
Et donc, je vais, pour ce qui concerne le groupe majoritaire, vous présenter nos principales orientations pour l'année 2021. Les orientations de l'équipe majoritaire pour cette année 2021 découlent directement de l'exécution de notre projet politique. Notre projet politique précise ce qui avait été annoncé dans notre programme électoral, car pour ce qui nous concerne, nous avions un programme électoral et que nous avons été élus, nous le déclinons. Il indique comment nous voyons notre ville et ce que nous voulons faire pour la faire vivre, évoluer et la rendre plus agréable à vivre pour l'ensemble des Chesnay-Courtois. Il est fondé sur des valeurs fondamentales de l'action publique, l'amélioration des services publics, l'exploitation optimale du patrimoine public et la gestion rigoureuse et adaptée des fonds publics dans l'intérêt collectif. Notre projet politique est structuré autour de quatre axes. La qualité de la vie sociale et des liens humains dans la commune, ce qu'il est convenu d'appeler le vivre ensemble dans une ville humaine. Nous voulons améliorer la prise en compte de chacun, séparément, mais aussi en groupe, prendre soin des uns et des autres, quelle que soit leur situation, besoins et difficultés personnelles. La parole redonnée aux citoyens. Elle passe par la participation effective des Chesnay-Courtois à l'animation de la commune et aux décisions sur des sujets qui les concernent au quotidien. La concrétisation de la transition écologique, comme nouvel axe structurant de la politique communale. Elle doit être l'affaire de tous, mais elle nécessite un véritable engagement de la commune. Et enfin, l'intégration réussie des deux communes historiques, du Chesnay et de Rocancourt, et la création définitive d'une nouvelle commune, homogène, cohérente, pratique et agréable, deuxième ville de notre communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc par son importance et son rayonnement. Il se traduit par des engagements à court, moyen et long terme en matière d'investissement, comme en matière de fonctionnement courant. Les projets d'investissement se traduiront en particulier par un plan pluriannuel d'investissement, outil de pilotage des engagements pris. En fonctionnement, les ressources et les moyens de la ville feront l'objet des optimisations nécessaires et leur affectation sera adaptée aux objectifs identifiés ci-après. Notre programme est soumis à la contrainte incontournable et assumée de poursuivre ce qui a été précédemment et irréversiblement engagé. Certaines des réalisations concernées s'inscrivent naturellement dans notre projet politique et nous nous en félicitons. Certaines autres ne correspondent à aucune de nos priorités, voire à aucun besoin réel ou exprimé des Chesnay-Courtois. Nous le regrettons, mais nous aurons à cœur d'achever ces réalisations dans le meilleur intérêt de tous, afin que tout ce qui a été déjà investi pour la collectivité ne soit pas perdu. Si je reviens sur la qualité de la vie sociale et des liens humains, nous voulons accueillir les nouveaux arrivants dans notre commune. Nous voulons installer un nouveau gymnase connecté multisport en libre service en centre-ville. Nous voulons rénover complètement la résidence autonomie des Chênes Verts et obtenir son classement au logement social avec les accès aux aides au logement. Nous voulons rénover l'EHPAD des Chênes d'Or qui en avait grand besoin. Pour répondre à une demande qui évolue, nous étudierons aussi l'extension de capacité d'accueil des personnes âgées dépendantes en fonction des opportunités foncières qui se présenteront. Nous voulons créer et ouvrir deux résidences sociales qui seront exploitées par le CCAS pour répondre aux besoins locaux et urgents de logements temporaires. Je rappelle qu'il y a la création de 28 logements au 37 rue du Maréchal de la de Tassigny et de 30 logements au 86-88 rue de Versailles, des opérations lancées précédemment mais que nous aurons à cœur de terminer rapidement. Nous souhaitons réaliser l'analyse des besoins sociaux de la commune, ce diagnostic dont je rappelle qu'il est obligatoire et qu'il aurait dû être fait depuis un certain temps mais jamais réalisé jusqu'alors, permettra en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale des Yvelines de mieux connaître les besoins des administrés et surtout les écarts avec les services proposés par la ville aujourd'hui. Il conduira à l'élaboration d'un plan d'action de progrès pertinent et adapté. Nous souhaitons rendre progressivement notre ville inclusive aux personnes à mobilité réduite en matière d'accès aux bâtiments communaux comme en matière de mobilité, je pense notamment au stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Nous souhaitons poursuivre la mise en place des mesures nécessaires pour assurer au mieux la sécurité des biens et des personnes, renforcement des équipes et moyens de la police municipale et développement du réseau de vidéosurveillance. Nous souhaitons apporter une vue d'ensemble et une cohérence aux différents projets de rénovation ou de modification de leur patrimoine émanant de propriétaires fonciers privés dans le quartier de l'Hôtel de Ville, en vue de la transformation progressive de l'existant en un quartier cœur de ville harmonieux, agréable, dynamique et accueillant pour tous. Nous souhaitons améliorer certaines installations sportives avec la mise aux normes des installations sportives pour les personnes à mobilité réduite et la rénovation des vestiaires du clubhouse du gymnase Corneille en priorité. Nous souhaitons modifier le plan local d'urbanisme en vue d'accroître le taux de réalisation de logements sociaux en évitant toute concentration et en favorisant la mixité sociale. Et nous souhaitons réunir à plus court terme les deux écoles Hélène Boucher et Maryse Bastier en un seul nouvel établissement dans une démarche de mutualisation suggérée par l'éducation nationale. Concernant la parole redonnée aux citoyens, cela passera par la retransmission en direct, en audio et en vidéo des séances du conseil municipal, y compris dans une ère post-Covid, par la mise en place des conseils de quartier,
c'est vrai que c'est effectif, et la coopération entre ceux-ci et l'équipe municipale, en vue d'apporter des solutions les plus appropriées aux problèmes propres à certaines parties de la commune, ou pour simplement y améliorer les conditions de vie. La mise en place d'un conseil municipal des jeunes, collégiens notamment, en lien avec les établissements scolaires de la commune, sera également à l'agenda. Une offre de conférences-échanges dédiées aux familles sur leurs sujets de préoccupation quotidien, éducation, addiction, utilisation du numérique, et enfin le développement d'une application Le Chêner au concours et moi. Concernant la transition écologique, notre commune doit maintenant s'engager vigoureusement dans une logique écologique correspondant à l'époque où nous vivons, répondant aux préoccupations largement partagées par les populations, en particulier par les nouvelles générations d'actifs. Nous souhaitons nous inscrire dans l'effort national pour un développement durable. À l'échelle de notre territoire et dans les limites des responsabilités qui nous sont confiées, nous réaliserons un schéma directeur énergie communale, point de départ nécessaire de la mise en œuvre d'une politique écologique cohérente et pragmatique. La rénovation de l'école Langevin, avec l'objectif de réaliser un nouvel établissement scolaire durable, tant en matière d'énergie que pour ses utilisateurs. La rénovation de la piscine, dont la conception ancienne exige une mise à niveau tant de la couverture que de son isolation, et dont les systèmes de traitement d'air et de traitement d'eau insuffisamment performants et énergivores, de l'étanchéité des bassins et des goulottes à l'origine de gaspillage d'eau. Nous réaliserons l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de déplacement urbain et des mobilités douces, qui est en cours. Nous réaliserons la rénovation progressive du réseau d'éclairage public municipal qui date d'une vingtaine d'années afin d'en améliorer sa fiabilité, son efficacité et particulièrement son bilan énergétique. Nous entreprendrons un travail méthodique sur la réduction des consommations d'énergie, suivi des consommations de fluides, eau, gaz et électricité des bâtiments communaux et objectifs de réduction annuelle. Nous reprendrons l'enfouissement progressif de réseaux aériens par tranche annuelle. Nous reprendrons également la restauration de chaussées en surface et en subsurface. Le réseau communal vieillit, vous avez vu les chiffres dans le journal municipal, sa maintenance et sa remise à niveau n'ont pas été systématiques et des rattrapages lourds s'imposent. Nous procéderons à l'isolation thermique progressive des bâtiments municipaux, et ceux qui travaillent à l'hôtel de ville comprennent de quoi je parle, conçu pour la plupart au début des années 70, à une époque où les exigences n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et nous procéderons également à la préservation et à la mise en œuvre des espaces verts communaux, au travers de l'éco-pâturage, de la promotion de l'agriculture urbaine et de l'aménagement des parcs et des aires de jeu trop longtemps laissés à l'abandon. Concernant l'intégration réussie des deux communes historiques, le rapprochement de ces deux communes a eu lieu le 1er janvier 2019 d'un point de vue administratif. Leur intégration effective, pratique, administrative et humaine va nécessiter quelques temps et nous avons la volonté de la réussir pour l'agrément et l'intérêt de tous. Nous réaliserons la fin de l'aménagement du quartier dit de la ZAC du Bourg pour rendre à ce quartier le confort et l'agrément qu'en attendent depuis bien trop longtemps ses habitants, qu'ils soient là de longue date ou nouvellement installés. La fin des travaux et la reprise des malfaçons. La réalisation d'une salle culturelle polyvalente dans le quartier et l'implantation d'une activité commerciale attendue par l'ensemble des habitants est à l'agenda, avec notamment l'arrivée d'un supermarché et d'un hôtel. Des études d'urbanisme en vue d'intégrer davantage ce quartier dans la commune seront entamées. Des projets de nouveaux logements et de nouvelles activités seront étudiés. La mise en place, d'abord sous la forme d'un essai pilote, puis éventuellement étendu d'un service de navette électrique pour relier le quartier du Bourg au centre-ville, principalement à l'usage des personnes âgées, dépendantes ou des plus jeunes, sera également entamée, sans doute avec l'appui de l'INRIA et peut-être d'ACA. Nous travaillerons également à la rénovation du théâtre André Malraux et nous procéderons à l'intégration définitive à terme de la commune historique de Reconcourt avec celle du Chêner, pour réaliser une seule commune sur un seul territoire avec une offre de services identique pour tous, c'est-à-dire une seule municipalité. Si on fait un focus sur l'année 2021, ce sera la première année pleine de la mandature qui nous permettra de décliner une nouvelle vision de la politique selon notre projet politique. Elle s'inscrit dans une conjoncture détaillée pour une bonne part par les documents joints précédemment, dont on peut souligner les aspects suivants. D'abord, le prolongement de la pandémie Covid et de ses conséquences sur les modes de vie et les activités individuelles. Les incertitudes sur la sortie de cette crise impactent directement les hypothèses sur de nombreuses activités communales, fréquentation des services publics, dépenses exceptionnelles pour faire face aux exigences sanitaires et accompagner les plus durement touchés en particulier. Une menace précise et avérée sur les budgets de fonctionnement des années suivantes à compter de 2022. La non-conformité de la commune avec les exigences réglementaires de la loi SRU et ses conséquences. Les pénalités prononcées à ce jour à l'encontre de la ville vont conduire à des dépenses de fonctionnement récurrentes de l'ordre de 1,2 million d'euros net en 2022, puis plus proche de 1,5 à 1,7 million d'euros par an. Rapportées au montant du budget de fonctionnement communal, ces dépenses sont importantes.
Le financement de cette charge supplémentaire doit être anticipé dès maintenant, en vue de dégager un autofinancement suffisant et pérenne en temps utile. Si le programme des investissements à venir est important, autant par nécessité de remise à niveau du patrimoine, je pense notamment aux voies, aux réseaux, à l'isolation des bâtiments, à l'accessibilité, à l'éclairage public, que par ambition politique pleinement assumée, intégration des communes, prise en compte des nécessités écologiques par exemple, son financement doit être optimisé. À cet égard, nous jugeons opportun de suivre de près les recommandations nationales accompagnées d'incitations sous la forme de subventions dans le cadre notamment du plan de relance et d'autres aides sectorielles. Le niveau d'endettement de la commune, qui n'a pas fait d'investissement majeur depuis une dizaine d'années, est relativement bas. Il présente un gisement de financement naturel à des conditions d'accès au crédit particulièrement favorables pour renouveler le patrimoine de la ville. Cela se traduira pour 2021 de la façon suivante. Dans la rubrique fonctionnement, en premier lieu, la poursuite de l'accompagnement de la pandémie qui touche de nombreux secteurs de l'activité communale et éprouve de nombreux chaînés courtois passera par la prolongation de la mise à disposition du public d'une unité de test PCR jusqu'en septembre 2021, au moins, en souhaitant qu'après nous n'en ayons plus ou moins besoin. L'accompagnement des artisans et des commerçants au travers d'exonérations partielles des droits de voirie et des baux commerciaux. La mise en place de moyens humains spécifiques pour l'écoute et l'accompagnement des personnes fragilisées par les crises, et vous savez qu'elles sont nombreuses. On pense évidemment aux personnes seules, aux personnes âgées, et plus récemment, vous l'avez suivi par voie de presse, aux jeunes, aux étudiants et aux scolaires. Le renforcement du dispositif YES+, l'écoute spécifique au foyer des jeunes travailleurs, je profite pour remercier les équipes qui ont fait un travail remarquable au mois de février, prenant en charge près de 90 jeunes sur les 120 qui sont hébergés, pour vous donner aussi une mesure du besoin d'accompagnement qui se fait sentir après presque un an de confinement, l'accompagnement par des psychologues dans les établissements scolaires, la conduite des opérations locales de vaccination et la participation aux opérations intercommunales. Le maintien des restrictions sanitaires imposées se traduit aussi par une baisse de fréquentation et de recettes dans certains services, la petite enfance, la jeunesse, les locations de salles et la piscine. Les activités sportives proposées par la commune, activités nautiques, tennis, loisirs et musculation, sont encore perturbées par la lutte contre la pandémie et il a été décidé de systématiquement rembourser les usagers des séances annulées. Un deuxième secteur prioritaire est celui de l'informatique et des techniques numériques qui sont de plus en plus au centre de toutes les activités communales. Nous souhaitons accélérer l'évolution en cours et l'étendre à tous les domaines, ce qui conduit à des dépenses de fonctionnement en hausse. Maintenance et maintien à niveau des parcs machines, maintenance des logiciels, licences nouvelles, abonnements. Des moyens humains supplémentaires seront proportionnellement nécessaires, mais ils nous paraissent indispensables. La restauration scolaire fera l'objet d'efforts ciblés, nous l'avions annoncé pendant la campagne, sur la qualité des repas, et pour y avoir goûté, je confirme que c'est nécessaire, en particulier dans le droit fil des exigences de la loi Egalim, suppression des contenants plastiques, produits bio, avec un impact réduit au maximum sur la contribution demandée aux familles. L'optimisation de ce service sera confiée à un responsable dédié, en cours de recrutement, c'est annoncé lors d'un précédent conseil. En matière d'activité culturelle, l'hypothèse retenue est celle d'une reprise des spectacles dès le 1er mai. Je conviens que cette hypothèse est optimiste, mais on est parti là-dessus, avec un taux de remplissage maximum de 66% pour les salles de spectacle, afin de partir sur les hypothèses qui avaient été retenues au mois d'octobre, lorsque nos dernières représentations ont eu lieu. La fête des chênes verts sera bien reprogrammée cette année, à l'instar des années précédentes, exception faite de l'année 2020. Les associations actives sur notre territoire seront accompagnées et soutenues, en particulier toutes celles qui contribuent au soutien des personnes en difficulté ou à l'animation sportive et culturelle dans la ville. Nous avons choisi de ne pas rechercher à faire des économies dans ce domaine. D'une façon générale, les associations seront cette année aidées par la commune à la hauteur de leurs besoins. Et je remercie le travail remarquable qui a été fait pour la préparation des subventions et le dialogue avec l'ensemble des responsables associatifs dans une année qui est pour eux évidemment très difficile. Par ailleurs, outre le fonctionnement ordinaire des services, quelques dépenses de fonctionnement peuvent être mises en évidence, qu'elles découlent de notre projet politique ou qu'initiées précédemment, et elles s'y intègrent naturellement. La révision du plan local d'urbanisme et du règlement local de publicité, le diagnostic de territoire, avec l'évaluation des besoins sociaux de la commune, et la reprise des anciennes concessions du cimetière. Concernant les recettes de fonctionnement, dans cette rubrique, un peu paradoxalement, nous y porterons la baisse des recettes, puisque d'un point de vue réglementaire, on doit la porter là-dedans. Donc, baisse des recettes sur la petite enfance, la jeunesse, les locations de salles, la culture et la piscine, par suite des restrictions sanitaires que je viens d'évoquer. Nous procéderons évidemment à des économies de gestion courante pour préserver l'autofinancement. Et je veux, puisque nous venons de terminer le cycle des conférences budgétaires avec l'ensemble des chefs de service, saluer
la responsabilité dont chacun des binômes élus et chefs de service ont fait preuve sur ces budgets de fonctionnement. Je veux vraiment le saluer parce que ça n'était pas évident et cet effort a été fait, afin donc de préserver notre capacité d'autofinancement. L'objectif recherché, je dis bien que c'est un objectif et pas un préalable ou un dogme, sera de construire ce budget à fiscalité constante. C'est un objectif. Nous procéderons à l'indexation des tarifs, sauf pour certaines dépenses considérées comme de nécessité, je pense à la restauration scolaire notamment. En matière d'investissement, dans le programme Qualité de vie sociale et liens humains, seront à l'agenda les études préalables à l'installation de la halle de sport connectée, en matière de VRD notamment, les études d'urbanisme relatives au quartier Volusseau, autour du secteur du terrain l'INRIA et de la BSPP, et sur le secteur cœur de ville, c'est-à-dire à l'endroit où nous nous trouvons, la rénovation du clubhouse du gymnase Corneille, très attendu par les rugbymen, l'achèvement et la rénovation du gymnase Péloir, la poursuite des travaux sur le site du gymnase Curva, la suite du programme de réalisation et de modification des quais de bus de la commune, les travaux consécutifs au rapprochement des écoles Maryse Bastier et Hélène Boucher, les travaux d'entretien régulier dans les écoles Perrault, Forain, Molière et Chèvreloup et l'installation de salles climatisées dans ces crèches qui en ont grand besoin. La poursuite de la réalisation de l'agenda d'accessibilité programmée, sur lequel je rappelle que nous sommes très en retard. La rénovation du matériel de régie de la Grande Seine, afin de préserver ce très bel outil. Le renforcement des moyens matériels de la police municipale avec un véhicule léger et un système de tir évolutif pour l'entraînement virtuel et la formation des policiers. L'extension du réseau de vidéosurveillance par l'adjonction d'une dizaine de caméras supplémentaires sur lequel nous serons, et je le remercie, épaulés par la région Île-de-France. Des projets liés à l'EHPAD, à la résidence autonomie et aux résidences sociales seront traités dans le cadre du budget du CCAS. Dans le cadre de la transition écologique, nous réaliserons le schéma directeur énergie. Nous réaliserons les études de faisabilité au programme de rénovation de l'école Langevin. Nous réaliserons les travaux des abords du CTM, car vous savez que le CTM, si le bâti a été livré, est très incomplet et qu'il y a donc tout le parvis à aménager. Nous aurions aimé avoir un programme un peu plus détaillé en arrivant, mais il a fallu le reprendre presque en intégralité. Ça concerne les voies, les réseaux et les fonctionnalités aux abords du CTM, et pour avoir un CTM qui fonctionne, il faut le traiter dans sa globalité. Nous procéderons aux études préalables à la rénovation de la piscine. Couverture et baie vitrée, traitement de l'air et de l'eau, étanchéité des bassins et des goulottes. Nous procéderons aux travaux d'isolation thermique et d'amélioration de l'accessibilité PMR à l'école de musique, bâtiment dans lequel rien ne s'est passé depuis de très longues années, en matière de couverture et d'isolation, d'huisserie et installation d'un ascenseur. Nous procéderons à la poursuite des travaux d'isolation de toiture au CHP2. Nous procéderons à des travaux de réfection de chaussées et de trottoirs, à la mise en place du géoréférencement des réseaux souterrains, des aménagements routiers, notamment aux abords de l'établissement Blanche de Castille. Nous procéderons à la reprise et au réaménagement des infrastructures de recharge de véhicules électriques, les anciennes stations Autolib. Nous procéderons à des enfouissements de réseaux aériens, rue de Glatigny, rue de la Selle, et partiellement pour des études sur l'avenue de Basseux. Nous réaliserons un certain nombre de pistes cyclables et d'installations d'abris vélo public, mais nous y reviendrons dans le cours de ce conseil pour la partie abri vélo, avec la signalétique associée. Nous procéderons à la rénovation progressive du réseau d'éclairage public, dont vous savez qu'il en a grand besoin, avec notamment l'introduction d'éclairage LED et de systèmes de variation de puissance sur l'avenue Charles de Gaulle. Nous procéderons au renouvellement partiel du parc automobile de la commune, avec introduction de véhicules électriques et d'une première navette électrique, avec un véhicule de 9 places et d'un parc de vélos à assistance électrique à disposition des agents de la ville. Nous procéderons au réaménagement d'aires de jeu, notamment dans le square des Petits Rocs et à la Fosse aux Loups, et au réaménagement du parcours sportif dans la forêt de Fosse-Repose. Enfin, nous réaliserons des études en vue de développer de l'agriculture urbaine sur certaines parcelles adaptées sur le territoire de notre commune. Concernant l'intégration des deux communes historiques, nous procéderons à des dépenses de voirie et d'aménagement nécessaires pour finaliser l'aménagement de la ZAC du Bourg, et les habitants de ce secteur de la ville savent de quoi je parle. Nous procéderons au début des travaux de réalisation de la salle culturelle polyvalente sur le quartier de Rocancourt, toujours dans la ZAC du Bourg, et nous mettrons en place le service de navette électrique entre le Bourg et le centre-ville, de manière à essayer d'atténuer la coupure entre ce quartier et le reste de la commune du Chênay-Rocancourt. Enfin, en matière de recettes d'investissement, comme il a été dit, nous appuierons sur les subventions liées au plan de relance national et aux autres subventions pour financer un certain nombre de projets
que nous conduirons. Nous procéderons à la cession de deux actifs immobiliers, le terrain de la ZAC du Bourg pour permettre la réalisation du lot dit activité et le terrain du Tartre, c'est-à-dire le parking qui jouxte le restaurant Hippopotamus. Et, comme indiqué également, nous appuierons sur du recours à l'emprunt pour financer des besoins nouveaux si nécessaire. Voilà ce que je pouvais mettre en débat et je donne maintenant la parole à celles et ceux qui le souhaitent dans les deux groupes d'opposition. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention ? Monsieur Gors, vous avez la parole. Merci. Mes chers collègues, mes chers amis qui nous entendaient à distance, je voudrais dire quelques mots très très brefs. Qu'est-ce qu'un débat d'orientation budgétaire ? C'est un exercice obligatoire préalable à l'exercice budgétaire chiffré et qui pose la perspective de l'année qui vient. Ce que vous nous soumettez n'est pas à proprement parler un DOB, mais plutôt un programme électoral, en ceci qu'il concerne essentiellement les années à venir, et pas seulement l'année 2021. Vous êtes aux commandes depuis un an, moins bien sûr, si j'ôte les premiers mois de total confinement. Pourtant, vous faites comme si vous arriviez à peine, vierge de tout. Vous n'êtes pas vierge de tout, vous avez déjà un passif. Prenons quelques exemples. Commençons par le premier pilier de votre programme, qualité de la vie sociale et des liens humains. Vous avez un passif. Après le peu apprécié panier de Noël, demandez aux seniors la façon dont ils se sentent traités aujourd'hui lorsqu'ils souhaitent se faire vacciner. Comment est-il possible qu'une ville comme la nôtre n'ait pas son propre centre de vaccination ? Ensuite, le deuxième pilier, la parole redonnée aux citoyens. Vous avez un passif. Les conseils de quartier sont désormais tenus peu ou prou par vos amis. Et le problème des bus est toujours là, toujours brûlant. Puis le troisième pilier de ce programme, la concrétisation de la transition écologique. Vous avez un passif. Si faire disparaître les poubelles est une action écologique, c'est que quelque chose vous a assurément échappé. Enfin, votre quatrième pilier, l'intégration réussie des deux communes historiques du Chesnay et de Roquencourt. Vous avez un passif. Demandez aux habitants de la commune historique de Roquencourt ce qu'ils en pensent, comment ils se sentent aujourd'hui dépouillés de ce qui faisait leur village, sans se sentir totalement intégrés. Je m'arrête là. Je ne souhaite pas, bien entendu, m'étendre sur votre catalogue impressionnant dont le financement m'échappe naturellement encore. Simplement pour conclure et reprendre une formule ancienne et qui en fera peut-être sourire quelques-uns, si bientôt vous serez, comme je l'espère, l'homme du passé, vous êtes d'ores et déjà, assurément, l'homme du passif. Je reste sans voix, Monsieur Gors. Oui, monsieur, on va peut-être laisser la parole à Madame Alquier, puis on reprendra la parole après, si vous voulez bien, Madame Alquier. Je présume qu'en prenant le micro, vous souhaitez prendre la parole pour votre groupe. Oui, voilà, je vous la donne. Je voudrais d'abord faire un commentaire sur les comptes administratifs de 2020, puisque vous les avez transmis dans le dossier donc, du projet budgétaire. Alors, je voulais simplement dire que nous constatons un compte administratif, vous n'avez pas fait de commentaire, mais je vais en dire un mot. Nous constatons un compte administratif 2020 qui est relativement positif, avec 7,3 millions de résultats, ce qui est plutôt bien. Et il est le fruit de la saine gestion des années précédentes, et le reflet de notre action prudente sur la première moitié de 2020 pour sauvegarder l'équilibre financier de la ville malgré les conditions difficiles dues au Covid-19. Concernant le budget 2021, bon, nous voyons bien à la lecture de la liste que vous venez de faire que vous êtes en réalité dans la continuité des programmes que nous avions lancés et démarrés. Je ne vais pas redire tous les programmes, vous les avez déjà dit. L'année qui vient sera encore difficile et notre priorité sera de protéger et soutenir plus encore nos concitoyens, nos commerçants artisans et nos associations. Il ne convient pas seulement de ne pas rechercher à faire des économies dans ce domaine, comme vous l'écrivez, mais d'être proactif et efficace dans l'accompagnement. L'heure n'est pas non plus à lancer des projets, non chiffrés d'ailleurs, comme la rénovation de la piscine qui ne semble pas essentielle
et priverait encore les habitants d'une activité sportive bienfaisante au sortir de cette pandémie. Par contre, il nous semble urgent d'avancer sur la rénovation des chênes verts. Ce programme a pris du retard suite à votre opposition il y a 18 mois et nos seniors l'attendent avec impatience. Nous vous enjoignons donc à ne pas tomber dans la surenchère électoraliste et de construire un budget avec d'abord la volonté de terminer les grands projets engagés dans de bonnes conditions, tout en gardant une rigueur financière qui permette de sauvegarder l'avenir pour ne pas avoir à augmenter les taux de fiscalité locale. Merci. Merci de votre intervention. Je donne la parole à M. Soleil et je la reprendrai ensuite. Madame Alquier, merci de vos recommandations. Elles sont tellement pertinentes que je crois que nous allons nous appliquer à les suivre de près. Je note toutefois que vous n'avez pas fait beaucoup de propositions d'orientation budgétaire pour votre groupe, hormis reprendre ce qui est dans notre proposition. Donc je confirme que nous sommes d'accord et sur la façon de faire, ce que vous venez de rappeler, et sur ce que nous allons faire, ce que nous vous avons proposé. En ce qui concerne M. Gore, je suis un peu étonné parce que, d'abord, il n'y a aucune proposition. Et deuxièmement, j'ai cru comprendre qu'il y a encore peu de temps, vous étiez dans la même équipe que Mme Alquier. Or, pour Mme Alquier, on est responsable de rien parce que vous êtes responsable de tout, en fait, en particulier du résultat. Et pour vous, nous sommes responsables de tout, et c'est d'ailleurs là que vous critiquez. Alors, je ne sais pas de quoi nous sommes responsables exactement. Je crois qu'il faudrait d'abord que vous vous mettiez d'accord sur vos éléments de polémique. Ça clarifierait les choses pour tout le monde. Je vous remercie en tous les cas de votre remarque, M. Gers, qui ne va pas du tout m'aider avec mes collègues à établir un budget pour l'année 2021, mais tant pis. Bien, M. Soleil, on va enlever une partie des mots de la bouche. M. Gors, je partage avec Louis-Marie Soleil le constat d'un vide absolu en matière de propositions. Ceci dit, il y a une forme de cohérence avec les messages que vous diffusez dans une sorte de pré-campagne où vous faites appel à la population pour créer un programme. Je ne sais pas par contre où est-ce que vous étiez en mars 2020, parce qu'il m'avait semblé que vous étiez candidat. Il m'avait semblé qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à un programme, mais ça devait être un peu virtuel. Voilà, donc vous me permettrez de sourire sur cette espèce de pseudo-réquisitoire qui me paraît assez inadapté, en tout cas qui n'est pas l'objet de cet échange. Normalement, le débat d'orientation budgétaire, c'est l'occasion d'échanger. D'ailleurs, au-delà de l'année 2021, je pense que c'est tout à fait normal, puisque quand on présente un programme, c'est pour une mandature, c'est normal qu'on rappelle dans quelle perspective s'inscrit le budget que nous allons construire pour l'année. Je suis étonné que pour un homme qui se pique de faire de la gestion et de la stratégie, vous n'ayez pas cette profondeur de champ. Mais bon, voilà, je partage ce constat avec vous. Madame Alquier, je m'associe évidemment à la remarque de M. Soleil. Voilà, il n'y a quand même pas beaucoup de propositions, outre, en dehors du fait de nous rappeler ce que nous avons fait. Je crois l'avoir dit assez précisément dans mon propos, que bien évidemment, c'est notre responsabilité. Nous allons terminer ce qui a été engagé et qui n'est pas irréversible. En matière de conseil de gestion, je vous invite à un petit peu de modestie. Le dossier du tennis Trianon sera là pour nous rappeler qu'en matière de pilotage budgétaire, l'équipe précédente n'a pas été, en tout cas son maire, n'a pas été exemplaire, loin s'en faut. Donc on va essayer, nous, d'appliquer des principes de bonne gestion en assurant la suite et la fin de la réalisation d'un certain nombre de chantiers. Ça nous a beaucoup occupés sur l'année 2020. C'est normal, c'est la responsabilité d'une équipe qui arrive et on continuera à le travailler en 2021. Il y a des sujets qui étaient bien engagés qu'on va terminer, je pense notamment à Curva. Il y a des sujets qui n'étaient pas du tout terminés, je pense au CTM, où là on a trouvé copie blanche. Donc en matière là aussi de leçons d'anticipation, je pense que chacun doit balayer devant sa porte. En tout cas, on sait ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire juste rien, si ce n'est une équation technique compliquée. Et je remerciais notamment Simon Bonne qui a passé un temps infini avec les équipes à travailler ce dossier dès son arrivée pour nous permettre d'être en capacité en 2021 parce que les équipes attendent, c'est bien d'avoir un joli bâtiment, mais les équipes attendent de pouvoir travailler en vrai. Et ce travail était vraiment compliqué. Donc merci vraiment M. Bonne de ce travail et merci aux équipes qui vous ont accompagné depuis le début de la mandature. Voilà, donc on prend acte qu'il n'y a finalement pas beaucoup de propositions. On n'est pas complètement surpris parce qu'effectivement, à lire ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux de part et d'autre, manifestement, il y a une recherche de programme. Si jamais les électeurs sont appelés à revoter, ils jugeront. En tout cas, nous avons un programme, nous avons été élus, nous avons un programme et nous le déclinons. Et donc, je considère que le débat d'orientation budgétaire s'est tenu. Je vais donc vous demander d'en prendre acte, puisque nous n'allons pas voter. C'est juste prise acte d'un débat d'orientation budgétaire et que, bien évidemment, nous nous retrouvons lors du prochain conseil pour le vote, à proprement parler, du budget de la commune. Et je passe donc au
troisième point qui concerne les autorisations d'engager liquidées et mandatées ou AELM, c'est le deuxième opus et c'est Monsieur Soleil qui présente. Merci Monsieur le maire. Donc nous avons déjà voté des AELM en début d'année ou en fin d'année dernière. Nous souhaiterions les compléter aujourd'hui par cette délibération. En fait, je rappelle le principe, puisque nous votons notre budget au mois d'avril, nous le voterons le mois prochain, il faut quand même permettre à la ville de fonctionner, y compris d'investir. C'est la raison pour laquelle ce principe des autorisations d'engager, liquider et mandater existe. Bien évidemment, on ne peut pas leur donner une importance trop grande, puisque nous sommes limités par les règlements administratifs à 25% de ce qui a précédé l'année précédente, de ce qui a précédé l'année d'avant. Et cette année, la limite que cela nous impose se situe à 2 908 000 euros en AELM. Nous avions déjà voté au mois de décembre des AELM pour 2 333 500 euros, donc nous avons un tout petit peu de marge. Nous allons en profiter pour vous demander de valider trois ajouts à ces AELM. Le premier concerne l'éclairage public, et puisque nous avons dans notre programme envisagé de moderniser l'éclairage public de la ville, et nous allons commencer par modifier l'éclairage public du tronçon de l'avenue Charles de Gaulle qui va de l'entrée de la ville au rond-point de l'Europe. Et nous allons passer cet éclairage en LED, adapter son éclairement et y introduire une possibilité de faire varier la puissance aux heures de nuit. Ces travaux auraient pu être faits après, mais en fait notre concessionnaire INEO est prêt à les faire et pour étaler la charge de travail, on pense inopportun pour des raisons budgétaires, de leur demander de repousser ce chantier. Donc, nous vous demanderons de bien vouloir valider cet AELM pour 150 000 euros. Deuxième motif, ça découle directement d'une délibération que nous avons prise ensemble le 28 janvier. Nous avons voté le principe de l'enfouissement par le CIGEF de la partie haute, de la partie est de la rue de Glatigny. Et le CIGEF nous demande maintenant... nous envoie un appel de fonds pour 117 000 euros, c'est-à-dire 30% de la participation de la commune. Et c'est pareil, nous n'avons pas vraiment de raison de repousser au-delà du mois d'avril ou du mois de mai ces travaux. Et le troisième achat qui est nécessité, lui, par la tenue des élections départementales et régionales les 13 et 20 juin, nécessite deux couloirs de vote. Et pour satisfaire les exigences sanitaires, nous ne pourrons pas rendre les isoloirs communs aux deux couloirs de vote. Et donc, il nous faut approvisionner un certain nombre d'isoloirs supplémentaires pour un montant total de 7 000 euros. Donc voilà, 150 000 euros pour l'éclairage public, 117 000 euros pour l'enfouissement de la rue de Glatigny, et puis 7 000 euros d'isoloirs pour les élections du mois de juin. Merci, Monsieur Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention, Madame Bilger? Bonsoir à tous. Oui, je me permets d'intervenir sur la mise en LED de l'avenue Charles de Gaulle. Comme vous l'avez évoqué dans votre programme, vous souhaitez donc une remise à niveau de l'éclairage public. Et donc, ma question est un peu plus globale en termes de perspective et de planification. Je suis juste un peu étonnée qu'il y ait une opération prévue ponctuellement, surtout avant même le plan donc de déplacement, puisqu'on peut peut-être imaginer qu'il y aura des aménagements sur l'avenue de Gaulle. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur votre budgétisation globale des éclairages publics. Est-ce que vous souhaitiez faire, puisque je m'interroge notamment sur les éclairages bleus qui sont apparus dans la ville, qui sont en soi une très bonne chose puisque j'avais été à l'origine du démarrage de cette opération. Simplement, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, ce sont des éclairages qui sont interdits. Donc, je m'étonne un peu que cela apparaisse dans la ville et donc je m'inquiète de la planification également de cette opération sur l'avenue de Gaulle et voudrais comprendre l'ensemble de votre plan en termes d'éclairage public, s'il vous plaît. Alors,
Jean-Marie, je te laisse. Oui, alors d'abord, ce n'est pas l'objet de la délibération. Première chose, je ne crois pas avoir dit que la délibération portait sur notre programme de rénovation de l'éclairage public pendant les 6 ans qui viennent. Et donc, je ne crois pas que ce soit le moment d'en parler. Par ailleurs, vous posez deux questions totalement distinctes. L'une qui concerne l'éclairement des passages piétons. On n'ignore pas la loi, on la connaît comme vous. De toute façon, si par hasard on était un peu paresseux, elle nous est rappelée par les équipes qui font parfaitement leur travail. Je tiens quand même à vous préciser sur ce sujet que nous n'avons fait que poursuivre ce qui avait été engagé précédemment. Et quand... Non, je suis désolé, là je m'inscris en faux. Ça n'avait pas été engagé du tout. Écoutez, vous reviendrez me voir. Il se trouve que j'ai aussi la délégation de l'éclairage public. Je prétends connaître un peu le sujet. Et donc vous viendrez me voir... Pardon, Monsieur Soleil, mais si vous connaissez le dossier, on peut remonter à l'époque Eiffage, et là, ça risque de faire très très mal, je suis désolé. Non, je ne crois pas, madame. Enfin, en tous les cas, je ne crains pas du tout votre visite, venez me voir, on en discutera, et je pense que vous repartirez avec des éléments plus objectifs que ce que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas une question de crainte, Monsieur Soleil. Moi, je m'inquiète pour les chaînées courtois, c'est notre seul objectif. Voilà, c'est tout, et je m'inquiète simplement de dépenses. Est-ce que vous me permettez de continuer à répondre à votre question ? Parce que ce n'est pas le sujet là, dont on traite. Donc, pour ce qui est du programme de rénovation... Parfait, donc nous voterons contre. Est-ce qu'on peut, Madame Bilger, est-ce qu'on peut s'écouter ? Vous avez posé une question et Monsieur Soleil essaye de vous répondre. Donc, laissez-le terminer, je vous redonnerai la parole après, mais c'est difficile de répondre. Je vous écoute, Monsieur Soleil. Merci beaucoup. Donc, pour ce qui est de la rénovation de l'éclairage public, nous procédons avenue Charles de Gaulle à un pilote sur donc quelques centaines de mètres de voirie, en particulier pour adapter l'éclairement aux nouvelles réglementations qui ont changé. Nous sommes suréclairés sur cette voie. Nous allons baisser et la consommation et clairement. Et pour répondre sur une vision plus long terme, j'ai l'intention de rénover l'intégralité de l'éclairage public de la ville. Après, il faut commencer. Donc, comme l'a dit Monsieur Soleil, on a commencé et on a fait le choix d'un axe assez circulé et dont nous espérons qu'il permettra à un grand nombre de chaînes courtois et de chaînes courtoises de profiter de ce nouvel éclairage. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais vous comprenez que quand on n'a rien fait, il faut bien commencer, et donc on commence par l'avenue Charles de Gaulle. Je termine, Madame Bilger. Vous comprendrez qu'à un moment, on choisit un endroit un peu emblématique et un endroit qui sera vu d'un maximum d'utilisateurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, mais je note vos soucis louables, sauf que je rappelle que vous étiez en responsabilité sur ce dossier et que je ne crois pas que sur la mandature précédente, vous n'ayez rien fait ni manifesté votre intérêt sur l'état de l'éclairage public. Et Dieu sait que vous comme moi, on savait qu'il était dans un triste état. Voilà, donc avant d'aller chercher des poux sur la tête de Monsieur Soleil sur Eiffage, vous étiez aux affaires pendant 12 ans, oui, et je crois que vous feriez aussi bien de faire preuve un peu d'humilité sur ce sujet. Bien, on va revenir à l'objet de cette délibération, c'est-à-dire l'adoption de l'AELM numéro 2. Y a-t-il des souhaits de vote contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Alors, pardon, 2-3 abstentions ? 3 abstentions, donc à la majorité. Merci. Nous allons passer au point 4 de l'ordre du jour, stationnement payant résidentiel, barème tarifaire, complément numéro 6. Je ne dis pas que c'est un marronnier, mais c'était un grand classique. Et Madame Majou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Oui, un petit complément sur le barème tarifaire du stationnement résidentiel, puisqu'au mois de décembre de l'an passé, nous avons fait évoluer les tarifs de véhicules, de tarifs d'abonnement particuliers, premier, deuxième et troisième voiture, et nous avons omis ou nous n'avons pas poursuivi en fait en modifiant le montant mensuel de référence associé à ces tarifs-là. Donc c'est l'objet de cette délibération et donc d'instaurer un montant mensuel de référence de 15 € pour le tarif d'abonnement du véhicule d'abonnement particulier deuxième voiture. Merci Madame Ajou. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce sujet ? Pas de souhaits d'intervention, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 3 abstentions. Madame Nocringer, Madame Bilger, Monsieur Gors et pour le reste à la majorité. Merci. Passons à la délibération numéro 5 qui concerne la mise en place d'un service public local de consignes collectives payantes de vélos à usage de stationnement résidentiel, mon box à vélo. Et Madame Majou, vous allez nous présenter les règles générales d'organisation. Merci Monsieur le maire. Je suis particulièrement heureuse de vous présenter ce projet qui est né avec les services de la ville très rapidement.
La volonté, comme vous l'avez rappelé, est de développer les mobilités douces. Le premier obstacle à l'usage du vélo, c'est son stationnement. Et son stationnement particulier, c'est pour ça que ce dispositif que nous lançons vise à expérimenter un mode de stationnement résidentiel sécurisé pour les vélos, au plus près des habitants et dans les zones les plus denses. Cette expérimentation, elle porte sur l'installation de 5 boxes qui contiennent chacun 5 places. Ces boxes sont sécurisées. C'est du matériel très costaud d'après la mairie de Lille qui les expérimente déjà depuis presque 2 ans. Ces 5 boxes seront placées le long de l'avenue du Tartre, de l'avenue Schweitzer et de la rue Caruel de Saint-Martin. Ces boxes sont placées aussi à des endroits qui sont évidemment utiles pour les habitants, mais aussi protégés par notre dispositif de vidéosurveillance pour augmenter encore la sécurité qui est apportée par la serrure électronique associée à ces boxes. Voilà, c'est une expérimentation. Nous souhaitons que les habitants s'expriment, qu'ils nous disent si ce service est utile pour eux. Ils auront la possibilité de le faire sur le site de la ville. Donc là, on vous déroule, en fait, on vous montre à quoi devraient ressembler les box qui doivent arriver la semaine prochaine, en début de semaine prochaine dans notre ville. Non, c'est les verts, ça, ce sont ceux d'autres communes. Nous sommes restés assez classiques pour qu'ils se fondent dans le paysage urbain. Et les box sont aux couleurs de la ville. Pour accéder à ce service, il faut être chez Né Courtois pour la partie de l'expérimentation. On verra si on ouvre le service plus largement plus tard. Il faut avoir 16 ans ou plus. il faudra venir pour souscrire comme un abonnement traditionnel avec le contrat d'adhésion dûment complété, un exemplaire des conditions générales d'utilisation dont je vous passerai la lecture, mais qui est disponible dans les documents qui vous ont été remis, un justificatif d'identité et un justificatif de résidence sur le territoire communal. Voilà, nous avons interrogé plusieurs villes qui ont déjà développé ce type de service. Elles ont des remontées qui sont très positives de la part de leurs habitants, donc ce ne sont pas forcément des villes de région parisienne. Je pense qu'après la ville de Paris, on est peut-être les premiers à installer ce genre de box en Ile-de-France. Merci Madame Majou. Madame Lemenet, vous levez le bras, vous avez donc la parole. Bonsoir Monsieur le Maire. Bonsoir Madame Lemenet. Oui, je voulais prendre la parole, désolée Madame Majou, je prends la parole, c'est souvent quand vous faites une délibération, mais je pense que cette délibération mérite quelques remarques. Évidemment, notre groupe est tout à fait pour augmenter le stationnement des vélos et sa sécurisation. Je l'avais moi-même demandé à Monsieur le Maire, pour le parking en bas. Voilà. Mais je m'aperçois qu'il n'y a eu aucune consultation. Vous parlez de consultation, de demander à la population, il n'y a pas eu de commission environnement. Comment se fait-il que sur un projet qui est quand même intéressant, nous ne puissions pas nous prononcer et l'opposition n'est absolument pas... il n'y a pas de travail commun. Alors, je ne sais pas à quoi sert ce conseil municipal si on ne peut pas travailler ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le texte, vous mettez que c'est spécifiquement pour Parly 2. Alors là, je suis un peu étonnée parce que Parly 2 a beaucoup de parking. Elle pourrait elle-même organiser, j'allais dire, le gardiennage des vélos. Et je ne vois pas en quoi on doit mettre des box pour Parly 2. Je pense que c'est pour l'ensemble des Chénésiens. Or, vous mettez dans votre délibre, c'est surtout pour Parly 2. Alors, si vous avez déjà 25 places et que vous voulez mettre tous les vélos de Parly 2, je pense qu'on va être un grand chantier. Je ne sais pas à quoi va ressembler la ville du Chénais. D'ailleurs, sur ces box, excusez-moi, mais franchement, il y aurait pu y avoir un choix quand même plus judicieux par rapport à l'environnement. Et d'ailleurs, tacitement, vous le dites dans le texte, hein, vous allez... attendez, je vais vous retrouver la phrase. Les box seront personnalisées pour se fondre dans les espaces urbains. Donc, de prime abord, vous acceptez le fait que ces box
sont franchement, franchement très moches, excusez-moi, mais j'ai pas d'autres mots pour le dire, et que vous allez être obligé de les maquiller pour les rendre acceptables. Voilà. Donc, en ce qui concerne notre groupe, nous avons donc décidé de nous abstenir puisque nous n'avons pas été consultés sur les deux délibérations. Madame Majou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Maire. Alors, ce sujet est passé en commission finance. Donc, votre groupe finance, c'est pas environnement. Madame Le Ménet, on s'écoute. Donc, vous avez parlé. Maintenant, c'est Madame Majou qui vous répond. Voilà. Ce sujet. Merci à tous ceux qui ne parlent pas de mettre leur masque. En commission finance et. Ne vous inquiétez pas, je vais reparler. C'est pas à vous que je pensais. À ma connaissance, en fait, il n'est passé que en commission finance car il s'agit d'une expérimentation. D'accord ? Nous sommes bien sur un dispositif expérimental. On ne parle pas d'un déploiement. 5 box par rapport à la taille de notre. Donc 25 places par rapport à la taille de notre commune. Évidemment, on voit bien que ce n'est pas un déploiement massif. Donc c'est un test. Dans ce test. C'est la deuxième raison, et c'est la raison pour laquelle ces box ont été placées autour des habitats les plus denses de la ville, les résidences de Parly 2, qui, je le rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, Madame Le Ménet, ont des locaux vélos, communs vélos poussettes extrêmement petits, qui déjà, dans les années 70, ne satisfaisaient pas les besoins des habitants. Donc, on s'écoute parler, merci. Très bien. Donc, la commune met en place un dispositif. Si la copropriété de Parly 2 trouve que c'est un bon dispositif et qu'elle souhaite le développer sur son domaine, elle le fera. Néanmoins, nous donnons un élan pour répondre à un besoin des habitants, de pouvoir stationner leur vélo et y accéder simplement pour l'utiliser plus souvent au quotidien. Voilà. Madame Bilger, je présume que vous souhaitez prendre la parole. Oui, je voudrais juste intervenir sur deux points concernant la consultation. Sauf erreur, je participe au conseil de quartier du Tartre. Il n'a pas été évoqué du tout ce sujet. Autant on a passé beaucoup, beaucoup de temps sur l'emplacement des boîtes à livres, des crottes de chiens. Ça, on y passe beaucoup de temps, mais ce sujet n'a pas été évoqué. Sauf à ce que je me trompe. Donc, ça me paraît quand même un sujet important, beaucoup plus conséquent que déposer une boîte de livres. Je rappelle que nous sommes encore sous les fenêtres de la copropriété de Parly 2. S'il faut encore avoir un spectacle comme les toilettes des bus qui font vraiment pas honneur à notre cadre de vie que vous défendez, cela me gêne. Par ailleurs, vous parlez de la copropriété de Parly 2 que vous connaissez manifestement extrêmement bien. Avez-vous posé la question à la copropriété de Parly 2 sur les nuisances que cela peut avoir d'avoir cela sous ses fenêtres et sur le besoin simplement des habitants. Madame Ajou, je laisse répondre, je compléterai si besoin. Très bien. Donc je redis que nous parlons ici d'une expérimentation. Qui dit expérimentation dit essai. Ces box ne sont pas scellés dans le sol, ils restent mobiles. Et donc, nous expérimentons à la fois leur emplacement et leur usage, et nous tiendrons compte, et nous reviendrons vers les quartiers pour recueillir les remontées des habitants sur leur usage. Voilà. Après, nous sommes sur le domaine public, nous ne sommes pas sous les fenêtres de Parly 2. Regardez bien les emplacements. Si ça devait créer une gêne, à ce moment-là, nous étudierions comment, dans le cadre d'un déploiement plus large, ajuster les emplacements de ces box. Voilà, nous n'avons pas la même notion de l'écoute. Mais... Voilà, et alors, Madame Bilger, je suis ravi que vous intéressiez au conseil du quartier. Ça ne vous a pas empêché de vivre pendant 12 ans sans qu'il y ait conseil du quartier. Je termine, Madame Bilger. Oui, j'ai bien. Soit le sujet est important et je considère que le conseil doit en avoir la primeur, et manifestement, puisque le sujet est important, vous devriez vous réjouir que le conseil municipal ait la primeur de sujet. Il nous arrivera de passer d'abord en conseil et puis ensuite en conseil du quartier. Les conseils du quartier, les ordres du jour sont faits par les membres des conseils du quartier. Donc, s'ils veulent parler de crottes de chien, ils en ont droit et je respecte tout à fait les souhaits. Et si on doit y passer du temps, moi, ça ne me choque pas. Après, quand on a des sujets importants, on les passe en conseil municipal, dans la mesure où ils ont un impact financier, ça me paraît normal. C'est une expérimentation. Vous comme moi, nous connaissons relativement bien Parly 2, donc je pense que, contrairement à Mme Le Ménet, qui ne doit pas avoir bien idée de la place qui est laissée au vélo dans la copro, je pense qu'il est plutôt pertinent
de faire cette expérimentation dans la zone la plus dense du généraux Concours, mais sur le domaine public, parce que Paris 2, vous le savez mieux que moi, c'est une résidence privée, et donc nous n'avons aucune recommandation à faire à une grande copropriété. Voilà, si on peut donner envie aux résidents de Paris 2 de s'emparer de ces objets, très bien. Mais pour l'instant, on fait sur notre domaine, et par contre le domaine public, c'est la responsabilité du conseil municipal, pas de la copro Paris 2. Voilà, donc on fait une expérimentation. Si on s'est planté, si ça ne marche pas, on ramassera les box à vélo. Si, comme dans d'autres villes, ces objets trouvent leur place, y compris d'un point de vue esthétique, eh bien, nous aurons été précurseurs et je m'en réjouirai. Voilà. Madame Alquier. Madame Majou, vous parliez de la commission finance. Je voudrais quand même mettre en cause un petit peu la méthode, car ce sujet a été passé en commission, la dernière commission finance, alors que visiblement, l'engagement a déjà été pris. Et donc, on ne fait que qu'entériner des actions que vous avez déjà prises sans en avoir parlé. Donc, il ne faut pas dire que la commission finance a pris décision là-dessus. Et je voudrais aussi d'ailleurs signaler qu'à Paris, ils sont revenus, ils ont arrêté l'expérience, hein, parce qu'ils ont eu la même... Et sur le plan financier, 1816 euros par stationnement vélo. Je n'appelle pas ça stationnement d'ailleurs, c'est plutôt garer son vélo plutôt que stationner dans la ville de façon ponctuelle. C'est ça dont nous avons plutôt besoin. Ça ferait des millions et des millions à hauteur des besoins de la ville comme Paris, et de Paris 2. Donc ça me paraît vraiment pas raisonnable. Écoutez, moi ce que je constate, Madame Alquier, c'est que pendant des années, rien n'a été fait, strictement rien, qu'il n'y a pas l'ombre d'une place de vélo dans cette ville. Donc j'entends vos critiques et vos remarques. Nous on expérimente, on fait des choses. Pendant 20 ans, il n'y a strictement rien eu de fait en matière de stationnement vélo, mais strictement rien. Et je vous rappelle qu'on a près de 5000 places de stationnement voiture dans cette ville, donc je pense qu'il est temps qu'on commence à laisser un peu de place au vélo. On expérimente, donc on n'est pas à l'abri que ça marche, on n'est pas à l'abri que ça se plante, mais on expérimente et nous on fait des choses. Voilà. Monsieur Briot. Oui, j'interviens ce soir après avoir entendu beaucoup de choses sur lesquelles je ne m'appesantirai pas de façon à éviter les face-à-face inutiles. Aujourd'hui, on parle du vélo, c'est beaucoup développé avec le Covid, et puis surtout les évolutions techniques de tous ces vélos électriques. C'est vrai que toute cette évolution justifie qu'on s'attarde sur le sujet. Alors, moi je vais juste parler de ces box, hein, je suis d'accord avec Mme Le Méné, c'est affreux. En plus de ça, c'est payant. Donc ça veut dire que quelque part, il y a entre l'esthétique, le lieu et les modalités de paiement, je trouve que ça aurait été intéressant, puisque vous avez pendant toute la campagne prôné cette démocratie participative, qui est votre spécialité semble-t-il, ça aurait été peut-être de lancer un appel à projet, de pouvoir faire une étude, de le présenter en commission ou autre, enfin, de faire un travail tel que vous l'aviez proposé. Et c'est plutôt ça que nous regrettons, parce que sur le principe de couvrir les vélos, pourquoi pas, sur le principe de les sécuriser, bien évidemment. Donc voilà, c'est la méthode qui nous paraît complètement contraire à ce que vous aviez proposé aux habitants, pour faire une rupture forte avec l'ancien maire qui, bien évidemment, a tous les défauts que vous avez déjà signalés, je ne vais pas revenir dessus, mais au moins, on avait des méthodes qui, peut-être, respectaient plus le code des marchés publics, parce que là, vous avez arrêté un modèle. Est-ce qu'il y a une mise en concurrence qui a été faite? Enfin, on ne va pas regarder sur les dossiers, mais voilà, donc mise en concurrence, appel à projet, positionnement, vous avez parlé de Paris 2, Madame Majou. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler de Paris 2. C'est tous les Chennais courtois qui ont la capacité de pouvoir bénéficier de ces vélos. Et principalement à des hubs. On avait pensé principalement effectivement autour du centre commercial, pour que les gens viennent en vélo, le bus ou autre. Donc voilà, tout ça, on n'en a jamais discuté. Alors peut-être me direz-vous que vous allez financer tout cela par les nombreuses contraventions qui pleuvent tous les jours. Mais bon, ce n'est pas suffisant au niveau des recettes. Moi, je pense que le mieux serait quand même d'adopter toutes les méthodes que vous nous avez prônées pendant la campagne. Merci. Merci de votre intervention. Si pas d'autres souhaits d'intervention, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Toute opposition. Qui vote favorablement? La majorité. Et je l'en remercie. Après les règles générales d'organisation, c'est assez naturellement, Madame Majou, que vous allez nous présenter le barème tarifaire, puisque nous avons compris que ce système était payant et donc il faut un barème tarifaire. Je vous donne la parole. Donc, dans le cadre de cette expérimentation pratique, qui est une forme de concertation pragmatique, nous proposons un tarif annuel pour ce service de 60 euros, puisqu'il s'agit bien en fait d'un service de stationnement sécurisé vélo, stationnement résidentiel.
Ce tarif de 60 euros correspond en fait à la moitié d'un abonnement au stationnement résidentiel voiture sur voirie. Comme nous sommes sur l'espace public, nous avons considéré qu'il était nécessaire que ce service soit payant également, mais de manière plus faible. Nous fixons aussi le tarif de remplacement du badge d'accès à ces box au tarif de 20 euros pour permettre de couvrir le coût d'acquisition des nouveaux supports et les opérations de paramétrage de délivrance. Madame Le Ménet. Merci, monsieur le maire. Non, je voulais juste relever que madame Majou emploie le terme de concertation pragmatique à propos de ce sujet, alors qu'on vient de lui démontrer que c'était tout l'inverse. Alors, ou bien madame Majou ne sait pas ce que ça veut dire concertation. Concertation, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes et qu'on leur demande leur avis. Or là, vous avez vous-même dit précédemment qu'il n'y a pas eu concertation parce que c'est une expérimentation. Donc, il faudrait voir quand même à ne pas vous contredire dans vos propres délibérations. Et c'est justement pour ce manque de concertation que nous avons décidé de nous abstenir. C'est véritablement touchant comme on peut changer quand on passe dans l'opposition et comme on peut s'intéresser à la concertation, alors que pendant des années, on a vécu sans. S'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? L'opposition? Qui vote favorablement? La majorité, et je l'en remercie. Nous passons au point 7 de l'ordre du jour, le bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées par la commune du Chesnay au concours au cours de l'année 2020. Madame Théménides, vous avez la parole. Merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors, l'article L2241 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec la commune donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. C'est la partie la plus longue de ma lecture, puisque en 2020, en notre nom propre, la commune du Chesnay-Rocancourt n'a acquis ni cédé aucun bien, donc ça fait zéro. Et nous sommes liés avec le PFIF dans le cadre d'une convention d'intervention foncière là, du 14 mai 2019. Et dans ce cadre-là, le bilan aussi est vierge. Donc je propose à l'Assemblée de prendre acte de ce bilan vierge des acquisitions et cessions foncières pour l'année 2020. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération limpide? S'il n'y a pas de souhaits d'intervention, on passe au vote. Pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Merci. Nous allons maintenant examiner une délibération concernant la participation de la commune au groupement de commandes pour les assurances cyber-risques du Centre interdépartemental de gestion. Et je donne la parole à M. Martial Prado. C'est bon, ça va venir. Pas du jeu. Oui, ça y est. Ah, c'est bon. Merci. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France est un établissement public administratif mettant ses compétences à la disposition de près de 900 collectivités. En 2017, le CIG a proposé aux collectivités de son ressort de participer à un groupement de commandes pour les contrats d'assurance cyber-risque. La commune du Chesnay avait alors souscrit une police d'assurance auprès de l'attributaire désigné à l'issue de la procédure de mise en concurrence pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Durant cette période, la commune a déclaré deux sinistres et a pu bénéficier de l'accompagnement de l'assureur. L'objectif de la commune consiste avant tout de renforcer encore davantage la sécurité des systèmes d'information afin de ne pas avoir à subir de dommages. À ce titre, des réflexions sont en cours qui pourraient induire des dépenses d'investissement à court terme. De son côté, le CIG sollicite à nouveau les communes en vue de constituer un nouveau groupement de commandes pour la période 2022-2025.
Il est donc proposé au conseil municipal de valider à l'adhésion à ce groupement de commandes en approuvant la convention constitutive de groupement et d'autoriser M. le maire à la signer. La présente délibération n'est donc pas un engagement définitif. La collectivité garde la possibilité de conclure ou non avec l'attributaire du futur contrat au vu des résultats qui seront présentés au deuxième semestre 2021 et surtout du niveau de prime proposé qui risque d'être plus élevé que pour la période précédente compte tenu de la sinistralité élevée observée ces derniers mois. Le CIG est indemnisé des frais afférents par une participation financière versée en une seule fois. Pour une collectivité de plus de 20 000 habitants, la participation est de 1 200 euros la première année, puis 45 euros par an. Merci beaucoup, M. Prado. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Si pas de souhaits d'intervention, on va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous en remercie. Et nous passons à une délibération liée à la crise Covid avec une proposition d'exonération partielle de droits de voirie. Je passe la parole à M. Jarige. Monsieur le maire, et bonsoir à tous. 10 enseignes commerciales sont actuellement titulaires d'une autorisation annuelle d'occupation du domaine public sur le territoire communal, accordée pour permettre l'exercice de leur activité. À ce titre, elles doivent régler une redevance annuelle déterminée selon la surface occupée et le tarif en vigueur au titre de la nature de l'occupation, le parking, la terrasse fermée ou l'étalage. Il s'agit essentiellement de stations de distribution de carburant, de restaurants ou distributeurs de plats emportés, de fleuristes et d'un concessionnaire de cycles motorisés. Ces 10 autorisations génèrent à peu près un produit de l'ordre d'une trentaine de milliers d'euros par an. Excusez-moi. Or, la fermeture administrative de plusieurs catégories d'établissements recevant du public, mise en œuvre dans le cadre des mesures nationales adoptées par l'État, pour lutter contre la propagation du virus, a conduit à une interdiction partielle, voire totale, d'exercice d'activité de certaines de ces enseignes sur des durées variables en fonction des dispositions prescrites par les décrets successifs publiés durant l'année 2020. Parmi ces 10 enseignes, deux d'entre elles ont formulé une requête en exonération partielle de la redevance 2020, n'ayant pu exploiter que partiellement durant l'année ces autorisations d'occupation du domaine public. Cela concerne donc la société Le Chêne et Fleurs et la société Restaurant au Liban. Dans le souci d'accompagner les entreprises concourant au dynamisme commercial et économique de la commune et de desserrer les contraintes financières pouvant les conduire à liquider leur activité dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, il est donc proposé d'accéder favorablement à cette demande. Pour autant, cet examen ne saurait ignorer la situation des autres enseignes qui n'ont pas expressément demandé d'exonération de leurs redevances. En application du principe d'égalité de traitement qui s'impose à une entité publique, un traitement identique doit être appliqué à situation identique, notamment au regard de la durée effective de l'interruption d'activité en application de la réglementation d'exception mise en œuvre par l'État. Le tableau ci-joint présente des différences de situation appréciables et formule les propositions d'exonération qui peuvent être résumées ainsi. Aucune exonération pour les enseignes de distribution de carburant, de commerce et réparation de cycles motorisés et de vente de plats emportés, puisque ces activités n'entraient pas dans le champ des décrets portant fermeture des ERP. Exonération de 3 mois pour les fleuristes, dont les ERP ont été fermés pendant les 3 mois de confinement mis en œuvre en 2020. Exonération de 5,5 mois pour les restaurants, que nous avons arrondi à 6 mois en raison de la période de couvre-feu appliquée début octobre et qui ne permettait pas l'organisation du service du dîner et bien sûr des nombreuses limitations des capacités imposées. Par conséquent, donc, ces exonérations conduiraient à une diminution des produits du domaine de 12 210,25 euros au titre de 2020, qui reste à couvrir puisque les titres des recettes correspondants n'ont pas encore été émis dans l'attente de statuer sur les demandes aux exonérations à examiner ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Jarige. Y a-t-il des souhaits d'intervention, Madame Alquier ? Vous avez la parole. Oui, je voudrais dire que cette exonération est complètement logique et légitime. Et à tout le moins, on ne peut quand même pas faire payer les commerçants qui ne peuvent même pas utiliser leur terrasse. Donc, ça me paraît complètement évident. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres souhaits d'intervention, nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, merci pour nos commerçants.
Nous retournons dans le petit monde de l'urbanisme avec l'adhésion de la commune au dispositif prévention carence du conseil départemental des Yvelines. Et je vous redonne la parole, Madame Théménides. Merci, Monsieur le maire. Donc, je veux vous rappeler le contexte. Juste par un arrêté du 28 décembre 2020, le préfet des Yvelines a prononcé la carence de la commune du fait d'une réalisation insuffisante de production de logements locatifs sociaux sur la période triennale 2017-2019. En effet, la commune nouvelle a réalisé 112 logements pour un objectif de 518, ce qui nous conduit à un pourcentage de logements sociaux de 15,3%. Le déficit actuel de logements locatifs sociaux est donc de plus de 1400 et l'objectif ardu de production imposé par l'État pour la prochaine triennale, enfin la triennale en cours, donc 2020-2022, est de 720 logements. Dans ce contexte, il est à noter donc que par un courrier du 21 octobre 2020, le président du conseil départemental des Yvelines a attiré l'attention de Monsieur le maire sur les dispositifs votés en mars 2018 par l'instance qu'il préside dans le cadre du plan d'appui aux communes déficitaires et carencées au titre de la loi SRU. Ce plan du département a pour objectif de démultiplier les modes de production du logement social, en particulier en favorisant la mobilisation du parc privé existant à travers le développement des opérations d'acquisition-amélioration, acquisition-conventionnement ou encore de l'intermédiation locative. Parmi les dispositifs contenus dans ce plan figurent, alors en premier, le dispositif prévention-carence, qui propose aux opérateurs de nouvelles possibilités de financement avec la création de deux subventions alternatives, donc une subvention forfaitaire au logement qui porte sur toute opération de logement locatif social familial, ou une subvention exceptionnelle d'équilibre qui est dédiée aux opérations particulièrement difficiles à monter et dont le montant est apprécié au cas par cas en fonction du bilan financier de l'opération. Ce dispositif prévention carence vient en complément de deux dispositifs qui existent déjà, Prior Yvelines et Yvelines Résidence. Deuxièmement, toujours dans ce plan, figure l'appui à l'acquisition de logements privés existants en vue de les conventionner. Le conseil départemental peut également, dans certains cas, se porter directement acquéreur. Enfin, dans ce plan est proposé le développement de logements en bail réel solidaire, BRS, qui est un nouveau mode d'accession sociale à la propriété, basé sur un démembrement de propriété entre le terrain et le logement. Et les logements en BRS sont désormais comptabilisés dans le bilan, dans l'inventaire SRU, de manière pérenne. L'accès à ces moyens mobilisés par le conseil départemental dans le cadre du plan prévention carence est conditionné à la signature par les communes d'un protocole prévention carence. D'une manière générale, il s'agit de créer des conditions favorables au développement du logement social. Le conseil départemental s'engage pour sa part à mobiliser l'ensemble des outils et moyens à sa disposition pour accompagner la commune dans l'atteinte de ses objectifs SRU. La mise en œuvre de ces moyens, ces outils et moyens décrits plus haut pourraient également s'appuyer sur l'ingénierie des partenaires du conseil départemental, à savoir l'établissement public foncier d'Île-de-France, le PFIF dont on a déjà parlé, les résidences Yvelines-Essonne et la société d'économie mixte d'aménagement Citalios. Enfin, il est par ailleurs précisé que dans le protocole, que le conseil départemental est également susceptible d'intervenir en garantissant les emprunts des bailleurs sociaux et en engageant des interventions au titre de ses autres compétences, notamment en termes de mobilité. Au regard de la situation de notre commune, il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser la conclusion du protocole prévention carence, par Monsieur le maire, afin de bénéficier de l'accompagnement et des différents outils proposés par le conseil départemental des Yvelines. Je précise que la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc est également signataire de ce protocole, donc c'est à trois, au titre de ses deux compétences, équilibre social de l'habitat et aménagement de l'espace. Merci Madame Théménides. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce protocole? Monsieur Briot, vous avez la parole. Merci. Alors j'entends parler beaucoup, nous entendons beaucoup parler du logement social à juste titre. D'abord, est-ce que la construction du logement social est la seule solution pour loger tous ceux qui en ont besoin? Nous sommes nombreux à en douter. Mais ça n'empêche pas pour autant que le logement social est important et que nous sommes un peu agacés, je dirais, de façon modestement, que nous ayons depuis quelques mois certaines personnes qui nous ont accompagnés dans la gestion de cette commune qui ne cessent de dire que rien n'a été fait. Pour éviter cela, je pense qu'il serait indispensable, et je vous avais sollicité sur le sujet, que nous ayons un débat, une assemblée s'est fait pour ça, il y a
l'ensemble des personnes qui sont là pour s'exprimer, qu'on ait un débat sur le logement social avec une objectivité de ce qui a pu être fait, de ce qu'il faudrait faire et de ce qu'on peut faire. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez commencé à présenter cette délibération par un préambule. Vous avez dit que le préfet a effectivement écrit pour nous augmenter de 220% pour non-réalisation. Je rappelle, mais je ne veux pas rentrer déjà dans le débat que vous allez sûrement organiser, que l'État est propriétaire de plusieurs hectares sur notre commune, que nous avions des projets sur ces terrains, que nous avons essayé de faciliter aussi, et que rien n'a été fait. Donc, quelque part, tout le monde a sa responsabilité. Donc, le département a proposé un dispositif pour accompagner cette démarche sociale, comme la région, comme l'intercommunalité. Tout le monde essaye de faire ce qu'il faut. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas mettre deux litres dans un, donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour répondre à cela. Nous sommes, je rappelle, à plus de 15% et qu'à partir de 20%, on peut généraliser dans l'intercommunalité. Donc ce que je vous demande, monsieur le maire, ça me paraît très important, c'est qu'au-delà de ce dispositif, puisque les villes doivent adhérer au dispositif et que le département ne peut pas, je dirais, nous inclure de force, donc bien évidemment, on va voter pour, puisque j'ai voté pour à l'Assemblée départementale pour ce dispositif, je vous demande d'avoir un conseil municipal exceptionnel sur un débat sur le logement social ou je dirais le logement en général. Je ne veux absolument pas rentrer en polémique ce soir sur le sujet, ce n'est pas l'objet, même si vous allez me répondre des choses que j'attends, que je vais voir. Il nous faut vraiment un débat sur le sujet. Je crois vraiment qu'on ne peut pas y échapper et c'est trop facile de dire ils n'ont rien fait, on n'a rien fait. Et comme jamais, je ne vous opposerai cela. Vous avez mis d'ailleurs dans votre programme sur le DOB qu'il y allait avoir des résidences sociales. Bah, tout ça, ça a été un travail en commun avec l'administration, avec la préfecture, avec nous. Ce n'est pas Philippe Briot, ce n'était pas l'équipe, c'était tout le monde. Donc, de grâce, arrêtons de nous opposer sur un sujet important qui est de loger les gens. Voilà ce que je voulais vous demander et vous expliquer que notre groupe votera favorablement. Merci de m'avoir laissé le temps de m'exprimer. Je vous en prie, Monsieur Briot. Donc, merci par avance pour le vote que vous aurez sur cette délibération. Sans rentrer dans la polémique, ce débat que vous appelez de vos voeux, vous auriez pu le tenir depuis de très longues années. Par contre, des débats, nous en avons eu avec la préfecture et avec la commission nationale SRU. Et donc, je vais vous adresser copie du rapport extrêmement détaillé de l'état des lieux, hein, parce que vous parlez d'objectivité, les chiffres sont là. Vous en connaissez, je pense, pour la plupart la teneur, mais je crois qu'il est important d'être transparent, de redire à l'ensemble des groupes de ce conseil ce que nous avons dit en septembre, puis il y a quelques jours à la commission nationale SRU, de ce qu'était la situation, de ce qu'était le potentiel de notre commune, de la réalité des chiffres. Voilà, on ne va pas polémiquer, mais à un moment, quand la production de logements sociaux n'est pas au rendez-vous, c'est factuel. Quand le préfet nous affecte une pénalité, c'est factuel. Je ne suis pas dans la polémique. Hein. Voilà. Et quand à un moment, il manque 1400 logements sociaux, ce n'est pas moi qui ai fait la loi, mais on a un léger écart par rapport à l'objectif. Voilà. Donc, ces chiffres-là, attendez, je termine, M. Briot. Ces chiffres-là, on les a repartagés avec la préfecture, on les a repartagés avec la commission nationale SRU. On peut en redébattre bien volontiers, mais c'est une photo, c'est une réalité que, en tout cas, pour vous et M. Pemery, vous connaissez bien. Voilà. Nous, le sujet, c'est de se projeter vers l'avenir. Donc, on a plaidé la cause de la commune. Les terrains propriétés de l'État, nous les connaissons comme vous. Nous les avons resignalés à la préfecture, notamment les terrains qui appartiennent au ministère de l'Intérieur. Voilà, des terrains, je pense, au centre de formation qui est en face de la police, pour lequel nous attendons depuis... Attendez. Pour l'instant, je vais vous communiquer les chiffres. Voilà. Mais M. Briot, je crois que vous n'avez jamais proposé de débat à personne sur le sujet. Donc, je veux dire, avant de réclamer un débat, vous étiez aux affaires depuis 30 ans. Donc, c'est très bien de donner des leçons de débat de démocratie participative. Ce que je vous propose là tout de suite, c'est de vous communiquer les chiffres. Comme ça, vous aurez un état des lieux précis au dernier degré de ce qui a été fait, de ce qui est en cours, de ce qui est attendu de la part de l'État sur notre commune, de ce que nous espérons faire. Voilà, et de la réalité très objective des chiffres. Voilà. Et puis à l'issue, vous prendrez connaissance de ces chiffres. Si vous souhaitez qu'on ait un débat, mais débattre, juste pour le plaisir de débattre, voilà, je pense qu'on a d'autres sujets à travailler. Nous, pour l'instant, on est dans la réalisation pratique, et je crois qu'il y a une question diverse, extrêmement intéressante sur le sujet, qui vous permettra de mesurer le degré de mobilisation de l'équipe majoritaire sur la question des logements sociaux. Voilà, et on en revient à l'objet de la délibération, qui est l'adoption de... ce dispositif prévention carence. Monsieur Toledano, vous avez la parole. Merci à vous. Permettez-moi juste une remarque. C'est très frustrant d'être un élu et de vous entendre à chaque fois répondre comme vous le faites,
dès qu'on évoque un problème, vous vous référez au passé comme réponse et vous n'êtes pas le seul à pratiquer cela. Moi, j'avoue que ça me frustre, ça m'énerve. Et peut-être que vous ne voulez pas débattre, c'est votre droit, mais essayez de répondre. En tout cas, n'évitez pas les questions en répondant comme vous le faites. Changeons de méthode, parce que là, vraiment, c'est un peu fatigant pour les gens qui vous écoutent et qui viennent d'intégrer ce conseil. Merci. Je suis navré que vous soyez fatigué, M. Toledano, mais il m'arrivera de temps en temps de rappeler à ceux qui nous donnent des leçons de démocratie qu'ils nous ont été relativement peu exemplaires. C'est comme ça. Et vous avez fait le choix de partir en campagne avec l'ancien maire du Chesnay. Voilà. Donc souffrez, M. Toledano, que de temps en temps, je rappelle quelques réalités. En l'occurrence, sur ce sujet, je n'ai rien à cacher. Donc je le dis en toute transparence, les chiffres très détaillés. Je remercie Luc Copin et Aline Temenides du très gros travail qui a été fait d'inventaire pour plaider la cause de notre commune auprès de, à la fois de la préfecture et de la commission nationale SRU. Peut-être d'ailleurs serons-nous entendus. Voilà. Mais en l'occurrence, après débattre, pour le plaisir de débattre, alors que pour l'instant, la situation elle est assez connue, elle est assez dramatique et que nous allons essayer de faire les quelques programmes de logements sociaux qui sont engagés. Voilà, je pense qu'on ne va pas faire non plus semblant de débattre alors que pour l'instant, le sujet est assez connu. Mais pour l'instant, vous allez prendre connaissance des éléments et après, je suis tout à fait disposé avec vous pour en rediscuter. Voilà. Je crois que c'est peine perdue d'intervenir. Je ne vous ai pas demandé de porter un jugement sur mes engagements. Je me permets de le faire. Non, mais je ne vous autorise pas à le faire. Mais je ne demande pas l'autorisation. Je prends les engagements que je souhaite avoir. Vous êtes libre de ne pas me répondre, mais vos commentaires, il y a parfois un certain agacement à les écouter. Merci. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, au vote. Qui vote contre la signature de ce protocole? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Nous restons dans le domaine de l'urbanisme avec une délibération concernant le transfert à l'échelon intercommunal de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. Je repasse la parole à Madame Temenides. Merci. Donc le PLU est le document de planification qui traduit la volonté de l'autorité compétente en termes d'urbanisme et qui établit un cadre réglementaire opposable aux demandes d'autorisation du droit des sols. On entend par là les permis de construire, déclarations préalables aux travaux, par exemple. La loi Allure, accès au logement et un urbanisme, accès pour un logement et un urbanisme rénové, du 24 mars 2014, a organisé le principe général de transfert de cette compétence en matière de documents d'urbanisme à l'échelon intercommunal, donc Versailles Grand Parc pour nous. Cette loi prévoit que le transfert est effectif dans un délai de 3 ans, donc en mars 2017, sauf s'il y a une minorité de blocage du transfert. Cette minorité de blocage est constituée d'au moins 25% des communes, représentant au moins 20% de la population. En 2017, les communes historiques du Chesnay et de Roquencourt ont toutes les deux délibéré dans le sens d'une opposition à ce transfert de compétences. Comme d'autres communes de VGP, puisque la compétence est restée aux mains des communes, ce qui a été confirmé par un courrier du préfet du 23 mai 2017. Mais cette situation n'est pas définitivement figée. Ainsi, toujours dans cette loi, il est prévu que le transfert est à nouveau acté de plein droit le premier jour de l'année qui suit l'élection du président de la communauté de communes consécutive au renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent toujours dans les mêmes conditions. Pour nous, cela devait être donc le 1er janvier 2021. Mais cette échéance a fait l'objet d'adaptations du fait du contexte sanitaire en étant reculée du 1er janvier au 1er juillet 2021. Les communes peuvent délibérer entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 pour s'opposer à ce transfert. Voilà. Pour être complet, je vous indique aussi que l'élaboration du règlement communal de publicité, qui est désormais étroitement lié à l'élaboration du document d'urbanisme, donc dans ce cadre-là, le transfert de la compétence en termes de PLU entraînerait également celle de ce règlement. Règlement dont nous avons noté la prescription au Conseil municipal du 16 décembre 2020. C'est donc dans ce cadre que le Conseil municipal est appelé à se prononcer pour ou contre le transfert de cette compétence en matière de planification d'urbanisme, sachant que la commission urbanisme-bâtiment réunie le 9 novembre 2020 s'est prononcée à l'unanimité pour une opposition à ce transfert. Merci Madame Temenides. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? S'il n'y a pas de souhait de délibération, je vais vous demander de confirmer que vous êtes alors soit contre, soit vous abstenir, d'être d'accord pour
dire que nous nous opposons au transfert à la communauté d'agglomération des Serres et Grand Parc de cette compétence en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. Pas de vote contre, pas d'abstention, donc à l'unanimité, cette opposition est actée. Merci, Madame Thémenides. Nous allons passer dans l'univers du scolaire, du numérique, avec une délibération concernant une convention relative à l'utilisation de l'espace numérique de travail, ou ENT, dans les écoles élémentaires et maternelles de la commune. Madame Siadoux, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. La crise sanitaire de la COVID-19 a entraîné une forte mobilisation des outils numériques lors des périodes de confinement, imposant aux enseignants des écoles de la ville, aux élèves et à leurs parents de recourir à divers supports dématérialisés avec plus ou moins de facilité. Notamment, les enseignants de la commune ont chacun utilisé leurs propres outils, différents d'une classe à l'autre au sein d'un même établissement. Ils ont ainsi pu échanger au mieux avec les familles pour assurer la continuité pédagogique. Dès la rentrée des classes, un besoin a rapidement été identifié au sein des écoles de la commune, avoir un environnement numérique de travail commun à toutes les écoles. Les états généraux du numérique à l'automne ont permis de faire 40 propositions, parmi lesquelles la généralisation d'un environnement numérique de travail pour tous les personnels avec des outils de travail collaboratifs. Fort de ce constat national, dans le cadre du plan de relance présenté par le gouvernement en mois de septembre, les services d'éducation nationale ont lancé en janvier un appel à projet destiné à généraliser le numérique éducatif, réduire les inégalités scolaires, lutter contre la fracture numérique et assurer la continuité pédagogique et administrative, notamment en cas de crise. Cet appel à projet propose de subventionner une partie de l'équipement destiné à consolider le socle numérique de base des écoles élémentaires, ainsi que les services et ressources numériques mis à disposition des enseignants, des élèves et des familles. En parallèle, un dispositif dédié d'accompagnement et de formation est assuré par les services de l'éducation nationale. Aujourd'hui, tous les directeurs des écoles publiques de la ville bénéficient d'ordinateurs connectés, renouvelés. Tous les enseignants des classes élémentaires, de tableaux numériques interactifs, de PC et de vidéoprojecteurs en cours de renouvellement. Cet appel à projet est l'opportunité pour la ville de poursuivre l'équipement numérique de ses écoles et, sur la base d'un diagnostic partagé par tous, à assurer la continuité pédagogique et administrative des enseignements en garantissant dans un premier temps leur facilité d'accès par le déploiement d'un espace numérique de travail de la commune avec un environnement similaire à celui du collège, en facilitant ainsi l'usage aux familles de la maternelle au collège. Un environnement numérique de travail contient à la fois une plateforme d'apprentissage s'adaptant à l'âge de l'élève, un cahier de texte multimédia, une banque de ressources pédagogiques, des parcours pédagogiques différenciés, des remédiations adaptées, un carnet de liaison, un tableau d'affichage, un espace de communication, un casier de collecte, un espace collaboratif offert à toutes les activités municipales, périscolaires et extrascolaires. Donc les licences d'un environnement numérique de travail peuvent être achetées ou louées. Donc vous avez ci-dessous un tableau qui vous présente les deux scénarios d'achat ou de location pour les écoles élémentaires, puisque cet appel d'offres ne concerne que les classes élémentaires, même si nous prévoyons de le déployer donc sur l'ensemble des écoles primaires de la commune. Donc voilà, vous avez les chiffres en dessous. Donc le renseignement de la demande de subvention en lien avec l'environnement numérique de travail nécessite avant tout de formaliser le partenariat entre la commune et l'académie. Il s'agit en effet de définir les responsabilités et les rôles de chacune des parties dans le déploiement de cette offre de service. Donc dans ce partenariat, la commune assure la maîtrise d'ouvrage unique et globale du déploiement de l'ENT, garantit la qualité et la pérennité du service rendu aux écoles, assure la mise en place de l'infrastructure numérique et son administration technique, et élabore avec l'Académie une politique de sécurité à appliquer au dispositif ENT et s'engage à contrôler ses prestataires concernant l'application de cette politique, prend en charge les incidents de sécurité relevant du champ de sa compétence et enfin assure l'assistance aux écoles concernant ce dispositif. Donc, les membres du Conseil sont donc invités à examiner les termes donc, de la convention relative à l'utilisation de l'ENT dans les écoles de l'Académie produite en annexe et donc à autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci. Merci beaucoup, Madame Siadoux. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce projet de délibération ? Pas de souhaits d'intervention. On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci. Nous allons passer dans l'univers du sport avec une délibération concernant une convention d'utilisation d'installations sportives du tennis communal en vue d'une exploitation économique. Monsieur Voiseux, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire.
Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années, le tennis rue des sports, avec les travaux importants, a dû revoir un peu son fonctionnement. Depuis quelques temps, nous avons la possibilité d'avoir accès aux cours de façon à peu près normale. Et dans ce cadre, certains professionnels de l'enseignement de tennis utilisent les cours pour des leçons dispensées à des adhérents. Et en attendant la mise en œuvre d'un projet d'ensemble sur le site du tennis, nous avons souhaité régulariser cette situation d'utilisation à fin lucrative en encadrant la pratique de ces cours privés et en proposant donc à ces enseignants un cadre juridique qui sera appliqué jusqu'au 31 août 2021. Dans cette convention, on reprend surtout déjà un nombre d'heures maximum par semaine et des créneaux d'utilisation dans cette pratique qui est de 9h à 17h du lundi au vendredi hors vacances scolaires et du lundi au samedi pendant les vacances scolaires. Dans cette convention, nous avons aussi intégré la redevance qui sera versée par ces professionnels lors de l'utilisation de ces cours et par heure à un tarif de 5 euros. Merci M. Voiseux. Des souhaits d'intervention sur ce projet de convention ? Si pas de souhait, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci. Une délibération, là aussi traditionnelle, il n'y a que la commune qui change à chaque fois, c'est concerne l'adhésion au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France de la commune des Loges-en-Josas. Monsieur Joriot, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, le CIGEF a délibéré lors de son conseil du 8 février 2021 pour l'adhésion de la commune des Loges-en-Josas pour la compétence d'autorité d'organisatrice du service public de distribution de gaz et d'électricité. Et donc, le Code général des collectivités territoriales nous demande de délibérer pour donner un avis favorable à cette délibération du syndicat. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci. Dans la série des délibérations dorénavant traditionnelles, la mise à jour du tableau des effectifs et des emplois. Monsieur Ribert, vous avez la parole. Monsieur le maire, merci. Donc, effectivement, une délibération habituelle. Donc, il s'agit en l'espèce, cette fois-ci, de modifier un emploi d'adjoint du patrimoine pour un agent exerçant ses fonctions à la bibliothèque municipale. Emploi initialement créé à temps non complet, 80%, et de le transformer en emploi à temps complet. Cette transformation en emploi à temps complet aura pour conséquence une réduction du recours à des agents vacataires et permettra une meilleure continuité dans le service offert aux usagers de la bibliothèque. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention, des votes contre ? Abstention à l'unanimité, merci. La délibération qui suit, elle, n'est pas du tout habituelle. Il s'agit de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Et avant de passer la parole à M. Ribert, qui aura le redoutable exercice de nous la présenter de manière claire et concise, je voulais remercier infiniment M. Pasquale et ses équipes qui ont passé un temps infini à préparer la mise en œuvre de cette réforme attendue. M. Ribert, bon courage. Monsieur le maire, merci. Je vais essayer effectivement d'être concis et à la limite de prendre plutôt les questions à la fin s'il y en a, puisqu'il y a, il peut y avoir beaucoup d'informations et je vais essayer d'être succinct. Donc le RIFSEP, finalement remplace le régime indemnitaire des agents. C'est une partie variable, pour faire simple, dans la rémunération des agents. Il s'agit d'une obligation pour les collectivités territoriales. Les textes sont parus dès 2014 avec une date butoir qui était le 20 décembre 2020. Donc le Covid a retardé de notre côté sa mise en place, avec un risque aujourd'hui qui serait que le trésorier public bloque les payes. Donc il y a une certaine urgence à l'appliquer. Le RIFSEP est composé de deux primes, l'une fixe, faire simple, qui s'appelle l'IFSE, et l'autre variable, le CIA. L'intérêt pour la commune de cette mise en place, elle réside dans un point très important, c'est qu'aujourd'hui, avec la fusion des deux communes, nous avons à la fois des agents d'enseignement de Roquencourt qui ont un système de primes et autres, et de l'autre côté du Chesnay, une autre organisation. Le RIFSEP va nous permettre de fusionner ce système et d'avoir des agents qui vont bénéficier des mêmes primes, des mêmes règlements et d'une harmonisation sur le système. Par ailleurs, au niveau des agents, une partie des contractuels qui sont de droit public et qui ont un emploi permanent n'avaient jusqu'à ce jour pas le droit au régime indemnitaire.
le RIFSEEP va leur permettre de bénéficier d'une prime mensuelle et de compléter une partie de leurs revenus. J'espère avoir été concis, puisqu'effectivement, ce sont les principaux enjeux. Il y a énormément d'éléments qui peuvent être plus en détail sur les tableaux, les montants ou autres. Je laisse voir s'il y a des questions pour être plus précis. Y a-t-il des questions, des souhaits de précision sur la mise en place de ce RIFSEEP ? Non, pas de questions. Vous avez été manifestement clair et concis. Et donc, il ne me reste plus qu'à demander à cette noble assemblée son accord sur la mise en place de cette réforme. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité ? Merci pour nos agents. Nous restons... Non, c'est... Ou alors c'est moi qui ai raté un épisode. Oui, j'ai raté un épisode, autant pour moi. Madame Charpentier, vous avez la parole pour la modification de l'article 42 du règlement intérieur du Conseil municipal relatif à la commission d'appel d'offres et aux commissions assimilées. Merci, pardon. Monsieur le maire, c'est bien moi. Mais c'est très, très, très rapide, parce qu'en fait, il s'agit juste, c'était pour le, dans le règlement intérieur, l'article 42 n'évoquait que la commission d'appel d'offres, et en fait, on avait omis de parler de la commission de délégation de services publics. Donc, il est proposé de renommer l'article 42 commission d'appel d'offres et commission de délégation de services publics avec un article 42.1 pour la commission d'appel d'offres et un article copier-coller 42.2 commission de délégation de services publics. Et je vous passe la lecture de l'article complet. Voilà. Merci, Madame Charpentier. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhait d'intervention, des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Alors, je vous redonne la parole, Monsieur Ribert, mais en votre qualité de maire délégué de Roconcourt, pour évoquer la proposition de modification du nombre de conseillers communaux et la désignation d'un conseiller supplémentaire. Monsieur le maire, merci. L'objectif est de pouvoir représenter au mieux la nouvelle organisation du conseil municipal avec la création du nouveau groupe d'opposition. Et donc, proposition a été faite à un membre du groupe de M. Gors, en l'occurrence Mme Caroline Nockringer, de faire partie du conseil de communes délégué et donc d'augmenter d'un membre ce conseil. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Monsieur Brio, vous avez la parole. Bah écoutez, c'est vrai qu'on s'interroge. D'abord, que fait ce conseil, Monsieur Ribert ? Qu'est-ce que vous faites avec votre conseil ? Alors, vous pourriez demander ça sert à quoi ? Vous pourriez demander à Monsieur Pembry, puisqu'il en fait partie, mais nous n'avons pas eu la chance de le voir depuis le début de la mandature. Parce qu'il voit que ça sert à rien, justement. Il a donc des dons très intéressants, puisqu'il n'est jamais venu. Non, mais la question que je vous pose, c'est à vous, monsieur. Moi, je vous renvoie la réponse. Non, c'est pas une réponse. Bah, vous êtes censé être représenté. Non, mais attendez, à quoi sert ce conseil ? Et puis, première question. Et deuxième, vous voulez l'ouvrir à un membre de l'opposition ? Pourquoi pas, si ça sert à quelque chose ? Et pourquoi cibler éventuellement une personne et pas d'autres ? Vous auriez peut-être pu nous en parler, je sais pas. On vous en parle ce soir, Monsieur Brio. Alors la question est intéressante. Vous pouvez la poser effectivement à Monsieur Pembry, qui, je crois, a présidé ce conseil pendant quelques mois. Non, mais laissez Monsieur Pembry. Je vous réponds. Je crois qu'il est assez concerné, un peu plus que vous d'ailleurs, en l'occurrence sur ce sujet. C'est pas l'objet de la délibération. L'objet, c'est d'élargir le périmètre de ce conseil. Si ce conseil délégué ne nous intéresse pas, et manifestement l'absence récurrente de Monsieur Pembry en témoigne. Pas de sujet. On fait vivre la démocratie locale. Ça ne vous intéresse pas. À quoi sert ce conseil ? Eh bien, on vous laisse philosopher et vous pouvez en débattre avec vos colistiers. Hormis d'avoir le nom de M. Ribert sur la plaque à la mairie de Roconcourt, à quoi sert ce conseil ? Très bien. Eh bien, on vous laisse philosopher sur cette intéressante question. Non, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En fait, vous êtes obligé, pour faire le conseil de la commune nouvelle, de réunir ce conseil. Enfin bon, on expliquera tout ça. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. On va passer au vote. Qui est contre l'arrivée de Mme Nockringer dans ce conseil délégué ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Mme Nockringer, vous êtes la bienvenue dans ce conseil délégué de Roconcourt, qui, semble-t-il, ne sert pas à grand-chose pour un certain nombre des élus de cette Assemblée. L'ordre du jour est terminé. Avant d'examiner les décisions, de répondre aux questions diverses, j'ai souhaité vous faire un point d'information, avant qu'on m'explique que je ne suis pas dans le débat, etc. Un point d'information sur l'évolution des réseaux de bus, puisque M. Gors, vous avez jugé utile dans votre semblant de débat d'organisation budgétaire d'évoquer le sujet. Donc, je voulais partager avec l'Assemblée une évolution qui pourrait être votée
à l'occasion du conseil d'administration de l'Île-de-France Mobilité, dont je rappelle, pour ceux qui auraient oublié, que c'est l'autorité organisatrice, celle qui décide des tracés, de l'évolution du tracé de notre réseau de bus sur la partie entre Parly 2 et Roquencourt, et notamment donc pour être simple, le terminus de la ligne 1 qui est actuellement positionné à Louis-Pellin et qui génère un certain nombre de difficultés, connues normalement de la plupart des élus de cette assemblée. Île-de-France Mobilité va proposer à son conseil de ramener le terminus de la ligne 1 à Parly 2 et de ramener également le terminus de la ligne, je crois, 9 à Parly 2 également. Ceci aura pour vocation d'alléger de manière significative la circulation des bus sur l'axe Mauxhery-Pellin. Et donc, il y a eu donc de nombreuses réunions avec à la fois les riverains, avec Versailles Grand Parc, avec Île-de-France Mobilité. Et donc, à l'issue de ce travail qui a vu l'examen de près de 15 scénarios et près de 6 mois d'études, l'ensemble des parties prenantes ont convergé pour proposer ce scénario qui sera donc soumis au vote du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité du mois d'avril, avec une mise en œuvre prévue entre le mois de juillet et le mois de septembre 2021. Donc voilà, je voulais partager cette information avec vous. Mais je rappelle qu'elle n'est pas de la compétence du Conseil, puisque la compétence transport, elle est déléguée à Versailles Grand Parc, et l'organisation et l'aménagement des réseaux de bus sont de la compétence de l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité. Monsieur Briot, vous avez la parole. Merci pour cette information qu'on découvre au Conseil. Ça sert à ça, un Conseil municipal. Non, mais vous dites que ce n'est pas la compétence du Conseil, mais enfin, vous avez bien vu quand même que les réseaux de bus sont un vrai sujet qui concerne quand même l'ensemble des habitants. Alors, si effectivement ceci répond à une demande, et ça peut répondre à une demande, je pense que ce serait bien qu'une fois de plus, il y ait un peu d'information, peut-être même dans le quartier ou autre, puisque je ne crois pas que le quartier ait été informé. Ensuite, Laetitia Viau, qui s'est excusée de ne pas être là, est membre de la commission déplacement-transport de Versailles Grand Parc. Je crois que vous en êtes le vice-président et je lui ai demandé combien de réunions avaient déjà permis de travailler dans la compétence de l'intercommunalité. Elle m'a dit qu'à ce jour, il n'y avait eu qu'une réunion où n'a été présenté qu'un état des lieux et rien d'autre. Or, le sujet est quand même suffisamment important et en tant que représentant la commune au Chênais, Roquencourt avec ce sujet, vous devriez bousculer un peu la commission de Versailles Grand Parc et ne pas dire que c'est Île-de-France Mobilité. C'est quand même à partir du terrain, à partir de l'intercommunalité, qu'on doit savoir si les bus aujourd'hui ne sont pas trop grands, si les fréquences ne sont pas trop importantes. Qu'est-ce qui a été fait depuis un an avec votre rôle de vice-président du déplacement transport, hormis le titre, qu'est-ce que vous avez fait depuis la seule séance de Versailles Grand Parc sur le sujet, alors qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, moi je suis quand même assez consterné, puisque nous avons tous rêvé de vous entendre promettre tellement de belles choses par rapport à cet ancien maire, bien évidemment. Et donc on est vraiment extrêmement surpris, déçus de se dire que finalement, peut-être que vous êtes pire que l'ancien. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous remercie de cet avis éclairé. En matière effectivement d'évolution des réseaux de bus, vous êtes un expert. Ce que j'ai fait, vous l'avez sous les yeux. 6 mois de travail, à la fois en tant que maire, à la fois en tant que vice-président de transport de Versailles Grand Parc, du travail avec les riverains, près d'une dizaine de réunions, du travail avec les services de la ville, puisque la ville a quand même son mot à dire en matière d'aménagement. Je vais terminer de répondre, Monsieur Briot. Du travail avec les services de Versailles Grand Parc et... puisque manifestement, on n'a toujours pas compris que c'est Île-de-France Mobilité qui est l'autorité organisatrice et plus Versailles Grand Parc. Un travail à un moment, parce que la possibilité nous en a été offerte par Île-de-France Mobilité, ce qui n'était pas à l'agenda, de faire évoluer ces dessertes en prenant en compte les besoins des habitants, les besoins de la commune, les intérêts financiers de la communauté d'agglomération et les intérêts financiers d'Île-de-France Mobilité. C'est aussi simple que ça. Évidemment, ce travail collaboratif, je ne vous ai pas vu beaucoup le faire dans les années passées, mais je ne voudrais pas irriter M. Toledano, donc je ne vais pas
m'étendre sur le sujet. Et je reviens encore une fois, vous saisissez l'opportunité de me rappeler que ça n'a pas été présenté au conseil du quartier. Je considère qu'il y a certains sujets qui doivent d'abord passer au conseil municipal. Et je ne doute pas que le jour où je ferai l'inverse, vous serez le premier à me dire que vous êtes très étonné qu'un sujet ait été balancé dans un conseil du quartier et pas présenté au conseil municipal. Donc de toute façon, dans ce jeu-là, la critique est extrêmement facile. Vous, les conseils du quartier, on ne les a pas beaucoup vus fonctionner. Donc moi, cette information-là, je la partage avec vous. Et ensuite, effectivement, nous allons retourner auprès des conseillers du quartier et des riverains qui nous attendent sur ce sujet depuis fort longtemps, parce que nous sommes dans un dialogue de proximité, un dialogue constructif, un dialogue parfois rugueux, parce que nous n'avons pas été toujours d'accord avec l'expression des différents riverains. Mais eux pourront constater qu'entre la situation qu'ils ont trouvée au moment où nous sommes arrivés, et là, Madame Bilger, je suis désolé, mais vous étiez aux affaires, ils ont vu la différence et ils ont vu qu'en un an, on était capable de traiter sérieusement, localement, des problèmes. Et voilà, je laisserai juge du travail que nous avons fait. Juste de me répondre, combien de commissions avez-vous fait à Versailles Grand Parc sur le transport, hormis la première ? Une, la première. D'accord, merci. Je vous en prie. Vous avez apporté la réponse. Ben voilà, vous l'avez. Eh bien, on est déçus. Eh bien, écoutez, vous savez, la déception, ça se soigne. Est-ce qu'il y a des souhaits d'information sur les décisions avant que nous passions aux trois questions diverses ? Pas de souhaits d'intervention. Si, Monsieur Toledano, vous avez la parole, excusez-moi. Merci. Je vous en prie. Je voudrais intervenir sur la décision concernant le Xamed et je vais profiter pour effectivement faire un point sur notre organisation actuelle. Le fonctionnement avec le Xamed a été mis en place au moment du début de l'épidémie et aujourd'hui, du fait de la persistance et de l'intensification de cette crise sanitaire, ce système nécessite d'être redéfini. Il semble effectivement nécessaire d'ouvrir sur notre commune un centre dédié à la COVID. Ce centre, je propose qu'il réunisse une unité de diagnostic par les PCR, une unité de vaccination et une unité d'écoute et de soutien à la population. On centralisera ainsi les appels en lien avec la COVID et on répondra, je pense, efficacement à la demande. La situation actuelle multiplie et disperse les intervenants et donc rend le dispositif contraignant, difficile et moins efficace. La commune dispose de locaux à même de répondre à ce besoin et nous pourrions ainsi, grâce à cette organisation, bénéficier des dotations exceptionnelles de vaccins comme le font d'autres communes et notre cellule d'écoute, de soutien, gérera les demandes à la fois des particuliers, des commerçants et les situations en souffrance en lien avec la COVID. Cette organisation, me semble-t-il, sera à même de répondre aux attentes de notre population. J'interviens maintenant sur l'organisation avec le Xamed. Le coût de la location d'un box de 15 mètres carrés est de 12 500 euros hors taxes pour 2 mois, alors que la commune dispose de locaux plus adaptés pour la réalisation de ces tests. Lorsque vous nous avez montré le coût détaillé, j'ai cru comprendre que la commune finançait les intervenants sur ce site. Il revient effectivement au laboratoire opérant sur le site de payer ce personnel, comme c'est le cas dans tout laboratoire et comme le font tous les laboratoires qui interviennent sur des sites mobiles. Je rappelle que pour chaque PCR réalisé, je l'avais déjà dit, je le répète, le laboratoire encaisse 43 euros et ce prix est doublé du fait de la réalisation de la PCR, du criblage que l'on fait à la suite d'une PCR positive. En conclusion, je dirais qu'un centre dédié COVID sur notre commune est nécessaire et la présence de l'Oxamed, comme de tout site mobile, est initialement dédiée aux régions sous-médicalisées. Notre commune abrite un hôpital public et privé et compte plusieurs compétences médicales. Et de ce fait,
Il nous faut un projet plus ambitieux, plus efficace et adapté à la persistance et à l'intensification de la crise. Merci, Monsieur le maire. Bien, Monsieur Toledano, c'est vrai que vos interventions sont récurrentes sur le sujet de l'Oxamètre. Je vous rappelle que sur votre dernière intervention, nous y avons donné une suite favorable, preuve que de temps en temps, le maire écoute son opposition, des fois que vous l'ayez oublié. Sur le sujet de l'organisation du traitement de la crise sanitaire, je ne suis pas l'ARS, je suis le maire du Chesnay-Rocancourt et nous travaillons avec nos collègues de l'intercommunalité en coordination avec les services de l'ARS et de la préfecture pour essayer de traiter au mieux cette crise complexe. Voilà, donc moi je prends acte de votre proposition, mais je ne suis pas le directeur régional de l'ARS. Je travaille avec mes collègues au mieux, avec les centres de vaccination qui sont à disposition, et j'y adjoins, quand je l'estime nécessaire, des prestations du type que celles que l'Oxamètre délivre. Donc je sais que ce n'est pas la solution que vous préférez. En tout cas, c'était celle qui était disponible sur le marché au mois d'octobre, quand dans l'urgence, il a fallu mettre en place, en dépit de ce que vous évoquez en termes d'offre de soins, mais manifestement, ce n'était pas suffisant, il a fallu mettre en place en urgence une offre de tests supplémentaires qui, jusqu'à présent, répond aux besoins de la population. Après, sur vos considérations sur le fait que cette offre, elle répond aux régions sous-médicalisées, je vous invite à aller vous promener à Paris. Il y a un certain nombre de centres L'Oxamètre devant les gares et je ne crois pas qu'on soit sur un secteur de notre pays qui soit sous-médicalisé. Donc monsieur voilà, je termine. Je connais monsieur Toledano, bien. Monsieur Toledano, je vous laisserai monsieur pas Toledano, dire n'importe quoi sur ce sujet-là. Monsieur Toledano, je termine et je vous donnerai très la bien, parole après. Mais vous n'allez voilà, pas dire n'importe bien, quoi. Très bien, je vous dis juste qu'il y a des labos L'Oxamètre au cœur de Paris qui n'est pas une zone sous-médicalisée. Voilà, c'est tout. Voilà, je ne suis pas là pour polémiquer, etc. Je rappelle juste que là, c'est des commentaires sur les décisions. J'entends vos réserves sur l'Oxamètre, mais j'assume pleinement le fait d'avoir, dès le mois d'octobre, mis en place cette structure. Et je pense que le maintien de cette structure à l'Oronce Pas est plus que nécessaire. Donc peut-être qu'il y a d'autres offres alternatives sur la commune, tant mieux pour nos résidents. Mais pour l'instant, ce centre est fréquenté. Voilà, donc dont acte, et on en reste là pour le sujet, parce que c'est juste l'examen des délibérations. Si vous permettez, et pas une longue conférence sur l'organisation là. De la santé et du traitement de cette crise Covid. Ce n'est pas l'objet de ce conseil. Voilà. Ben bravo, vous évitez un sujet qui est au cœur des problèmes des Chénésiens. Discutons des parkings et discutons des parcs à vélo, discutons de beaucoup de choses et ne parlons pas de la crise Covid. Et vous voulez faire croire aux gens que les structures mobiles sont réservées à des régions médicalisées. Je peux vous dire, et je connais parfaitement bien le sujet, que vous faites une erreur. Merci. Je ne veux rien faire croire aux gens, je veux leur offrir un service dont ils ont besoin. Point. Faites ce que vous voulez. Absolument. Sur le sujet, j'essaie d'apporter un service à nos administrés. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention sur les décisions, puisque nous avons encore 3 questions diverses. Si pas d'autres souhaits d'intervention, Madame Bilger, puisque vous êtes celle qui a posé les 3 questions, je vous laisse lire la première et j'essaierai d'y apporter des éléments de réponse aussi clairs que possible. Merci. Oui, monsieur le maire, une de vos promesses de campagne était la modification des pratiques de la restauration scolaire, notamment l'élimination des contenants en plastique, l'amélioration de la qualité nutritive des aliments, le recours aux circuits courts, etc. Ce projet est effectivement très attendu des parents. Cependant, ceux-ci s'inquiètent que le contrat avec le prestataire actuel Scolarest ne soit pas dénoncé dans les temps et retarde donc l'avancée du projet. Pouvez-vous donc nous préciser la date d'échéance effective du contrat, les modalités de dénonciation et votre position sur ce sujet ? Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, concernant donc le contrat Scolarest, l'actuel contrat conclu avec Scolarest l'a été en 2017. Il arrive à échéance au bout de 4 ans, il prendra donc fin en août 2021. À ce titre, il apparaît contre-productif de dénoncer immédiatement un contrat qui prendra fin dans quelques mois et précipiter l'analyse d'offres alternatives. Il faut surtout prendre en compte dans la rupture du contrat de ce type les périodes de vacances scolaires qui permettent la pleine mise en place de l'organisation du prestataire. En effet, le prestataire s'occupe également de l'entretien du matériel sur les sites concernés. Vous le savez, donc au moment de l'année où nous nous trouvons, nous ne gagnerions pas un temps significatif à dénoncer immédiatement le contrat qui nous lie à Scolarest au regard de la répartition des vacances scolaires. Et donc, nous irons au terme du contrat, mais il est à échéance en août 2021. Voilà les éléments que je pouvais porter à votre connaissance sur cette question. Je vous laisse lire la deuxième question. Monsieur le maire,
Comme vous le savez, le quotidien, vous l'avez rappelé, le quotidien des habitants du quartier de la ZAC du Bourg n'est pas simple en raison notamment de l'absence de commerce, dont la livraison n'est effectivement programmée que dans 2 ans, à l'été 2023. Il a été évoqué à l'occasion du dernier conseil de quartier la modification probable de l'entrée du parking du supermarché pour les clients et pour les livraisons. Dans le permis d'origine, cette entrée se faisait depuis la RD 307, en passant donc sur le terrain occupé par la station-service, terrain propriété de la ville, et la sortie se faisait avenue de Voluceau. Pouvez-vous nous confirmer qu'un permis de construire modificatif à ce projet initial serait à l'étude pour que l'entrée se fasse comme la sortie avenue de Voluceau ? Ceci signifierait que les riverains devraient supporter les nuisances de flux de voitures entrant et sortant, ce qui ne nous semblerait pas propice à valoriser leur cadre de vie. Je vous remercie de votre réponse. Je vous en prie. Je pense que ce qui serait propice à l'amélioration de leur cadre de vie, c'est qu'il y ait effectivement une offre de commerce qu'ils attendent depuis des années. Le permis de construire délivré à la société Duval en 2018 prévoit effectivement un accès de parking souterrain depuis la RD 307 sans passer par la station-service. Il prévoit également une rampe d'accès double sens depuis l'avenue de Voluceau. Une nouvelle version du projet a été présentée en mairie le 2 mars 2021. Ce modificatif prévoit effectivement la suppression de l'accès depuis la RD 307, les entrées-sorties se faisant donc exclusivement depuis l'avenue de Voluceau. Les livraisons seraient aussi effectuées à la Parisienne en stationnement avenue de Voluceau et non plus en contrebas depuis la RD 307. À ce jour, la demande de PC modificatif n'a pas encore été déposée. Le dossier est en cours d'examen par Citalios, qui émet un avis en tant qu'aménageur de la zone de la ZAC. Des réserves sur le fonctionnement du parking, plutôt sur le fonctionnement interne et sa capacité, ont été relayées vers Citalios, mais pas des sujets d'entrée-sortie. Et donc, a priori, Citalios devrait nous faire parvenir un avis favorable avec quelques réserves sur ce sujet que nous instruirons le moment venu. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre question. Je vous laisse lire la dernière question. Oui, je vous en prie, M. Briot. On a à nouveau une information suite à une question diverse. Pourquoi ce n'est pas passé en question urbanisme ? En commission urbanisme, parce que on en a eu une la semaine dernière. Parce que le permis modificatif n'a pas été déposé. Donc vous avez une question diverse, j'y réponds. Où est le problème ? Non. Vous avez dit qu'il y avait une modification sur la 307 et la butte de Voluceau. Pour l'instant, il y a un projet de permis qui est à l'étude et quand le permis sera modifié. Donc on n'en parle pas en commission non plus. On en parle maintenant en conseil, puisqu'il y a une question diverse, M. Briot. En fait, tous les dossiers, on n'en parle jamais. C'est vous qui les traitez tout seul. Vous savez, le maire a des responsabilités, M. Briot. Vous avez l'air au bout de 30 ans de découvrir que le maire ne passe pas tout en conseil. Eh oui, c'est comme ça. D'accord. Madame Bilger, vous avez la parole pour la dernière question. Excusez-moi, je vais prendre la parole. Je vous en prie, Madame Nocringer. Monsieur le maire, un permis de construire pour un immeuble de logements sociaux aurait été signé par vos soins à côté de l'ancienne gendarmerie de Rocancourt sur la RD 307. Nous ne pouvons que constater que l'emplacement de cette opération est totalement isolé, éloigné des commerces et desservi uniquement par la route départementale et une piste cyclable sans possibilité actuellement d'un accès piéton. Pouvez-vous nous confirmer avoir signé ce permis de construire ? Dans l'affirmative, pouvez-vous nous indiquer ce que vous envisagez sur ce secteur afin de régler les problèmes d'accès piéton à ce site ? Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, à la question, est-ce que je peux vous confirmer avoir signé le permis de construire ? Moi, non, mais l'excellente adjointe à l'urbanisme, oui, il y a eu un permis de construire qui a été signé en novembre 2020. Il ne nous a pas échappé que le site est un peu excentré, mais quand vous arrivez à la tête d'une mairie et qu'il manque 1400 logements sociaux et qu'on vous présente un projet intégralement étudié, validé par les ABF, faisant partie du projet de la ZAC du Bourg, voilà, vous avez soit le choix entre un go et un no-go. J'ai fait le choix pleinement assumé du go. Bien évidemment, ce terrain est un peu excentré. Je rappelle que à proximité de ce terrain, il y a une ancienne gendarmerie qui pourrait un jour peut-être aussi porter un projet de logements sociaux. Ce sont les prémices du travail de réaménagement que nous avons à faire de ce côté-là, de la départementale, de l'autre côté, sur le terrain Linria. Ça nous donne l'opportunité de discuter avec le conseil départemental sur l'apaisement de la circulation sur la RD 307, qui est un sujet qui va prendre du temps, mais pour lequel nous avons en face de nous des interlocuteurs qui commencent à accepter l'idée que demain, l'entrée de la ville du Chesnay-Rocancourt, elle se fera à la hauteur de l'INRIA. Et quand on entre dans une ville, on ne rentre pas à 90 ou à 100 km/h, mais à 50. Et donc à partir de là, si nous arrivons à convaincre le département que cette circulation peut être apaisée sur ce secteur de la ville, on peut imaginer des traversées autres que des souterrains qui, ni en termes de délai, ni en termes de coûts, ne sont raisonnables. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question.
Monsieur Briot, vous avez certainement quelque chose. C'est gentil, merci de me donner la parole. Je vous en prie. J'aurais tendance à dire, une fois de plus, nous apprenons cette information, mais ça ne doit pas passer en commission, ok, parce que Monsieur Pemery, puis après moi-même et ensemble, nous avions émis beaucoup de réserves sur ce projet parce qu'effectivement, il y a un danger. Et quand je vous demande un débat sur le logement social, c'est un peu pour discuter de tout ça, parce que le logement social ne permet pas tout. Il ne faut pas tout faire pour faire du logement social où on va avoir des accidents, parce que la 307, bien évidemment, restera extrêmement dangereuse. Or, la question qui a été posée par nos amis à côté est tout à fait pertinente, et nous n'avions pas voulu signer le permis de construire pour ces raisons avec Jean-François Pemery. Donc nous notons que ce n'est pas vous, comme d'habitude, mais que c'est quelqu'un de votre équipe qui l'a signé. Donc ce permis est signé, il sera réalisé, et là, il y aura un problème de sécurité évident. Voilà. Et c'est donc, problème de sécurité, nous dire que la 307 va changer quand l'entrée de la commune va se faire avec l'INRIA, il y a longtemps que vous ne serez plus maire et que moi, je serai peut-être au cimetière. Merci. Voilà, c'est étonnant, M. Brumet, je n'ai pas souvenir que vous ayez profité ni d'une commission ni d'un conseil municipal pour évoquer ce projet, ni la dangerosité de ce projet, mais certainement que j'avais raté un épisode sur la période où vous étiez aux affaires sur ce territoire. Voilà. Merci de ces interventions. Je voudrais, avant de clore le conseil, inviter M. Vincent Bruno à se lever et vous signaler donc l'arrivée du nouveau directeur des services techniques qui a rejoint notre collectivité au 15 mars, voilà, et qui vient donc chapeauter l'ensemble des services techniques. Donc, Monsieur Bruno, soyez de nouveau le bienvenu et dans cette noble assemblée. Et donc, pour ceux qui veulent aller rencontrer Monsieur Bruno, il est au troisième étage puisque c'est là que la plupart de ces services se trouvent localisés. Dernier point également d'information, comme vous le savez, le recours touche à sa fin. Il y a eu aujourd'hui une audience au Conseil d'État, ce qui veut dire que le jugement du Conseil d'État interviendra dans les 3 à 5 semaines. Nous avions normalement une séance importante qui est celle du vote du budget le 14 avril. Sans préjuger de ce que décidera le Conseil d'État, je prépare l'administration à la situation la plus contraignante, c'est-à-dire la dissolution du Conseil et l'arrivée d'une délégation spéciale dont vous savez qu'elle n'a pas la possibilité de voter le budget. Et je considère qu'il est de ma responsabilité de faire mes meilleurs efforts pour permettre à notre Assemblée de voter le budget, quelle que soit l'issue de ce recours, issue dont nous savons maintenant qu'elle est proche. C'est la raison pour laquelle j'ai, à la demande du secrétaire général de la préfecture, avancé d'une semaine la date du Conseil qui nous permettra de voter le budget de notre commune. Voilà. Sur ces paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt.